La famille de Cocoon, encore placée de listée depuis l'apparition du catalogue. La famille de Furnace Green, de Sonic Lady. Un poulain avec du cadre. La mère, c'est Inka Wood, fille de Timber Country. Timber Country, lui-même, un fils de Fall Aspen. Donc, cheval formidable. Fall Aspen a été un temps la poulinière de l'année. Timber Country a la particularité d'avoir fait la monte une année à Dubaï, une ou deux saisons à Dubaï. Inka Wood, la mère, n'a pas gagné. Elle nous présente ici son quatrième produit. C'est quand même la famille de Kingfisher. C'est un cousin de Kingfisher, lui-même un fils de Galiléo, qui a été deuxième du derby d'Irlande cette année. Et la troisième mère, Sonic Lady, fut une championne, gagnante des Irish 1000 Guinées. 20 000 euros, c'est votre enchère, Guillaume, à 20 000. À 20 000 euros, Guillaume, à 20 000. À 20 000 euros, à 20 000. À 20 000 euros, à 20 000. À 20 000 euros, à 20 000. 20 000 euros, Guillaume, à 20 000. À 20 000 euros, c'est Guillaume, votre enchère, à 20 000. À 20 000 euros, 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 fini par les erreurs, par les erreurs, à 20 000. À 20 000 euros, c'est qu'on voudrait à 20 000. À 20 000 euros, 22 000. 24 000. 24 000 euros maintenant l'enchère et part Audrey à 24 000. À 24 000 euros, que l'enchère à 24 000. C'est Camille, pardon, à 24 000. À 24 000 euros, 26 000. 26 000, 26 000, 26 000, 26 000, 26 000, 26 000, 26 000, 26 000. À 26 000 euros, que l'enchère à 26 000. 26 000 euros, c'est plus vous, Guillaume. À 26 000 euros, que dit-on ? À 26 000 euros. À 26 000 euros, l'enchère à droite à 26 000. À 26 000 euros, 28 000. 27 000. 27 000 euros, si vous voulez, à 27 000. À 27 000 euros, 30 000. 30 000 euros, l'enchère est là, à 30 000. À 30 000 euros, que l'enchère à 30 000. À 30 000 euros, 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 à 30 000. 30 000 euros, c'est Guillaume qui tient l'enchère à 30 000. À 30 000 euros, pas de regret à 30 000. À 30 000 euros, c'est fini à droite, 30 000. À 30 000 euros, dernière fois, dernière chance à 30 000. À 30 000 euros, votre enchère, Guillaume, et on va adjuger. À 30 000 euros, fini Camille. À 30 000 euros, dernière fois. 32 000. 32 000. 34 000, déjà plus vous. À 34 000 euros. À 34 000 euros, l'enchère est là, à 34 000. Ils vont bien quand même, ce peintre célèbre. C'est Guillaume, votre enchère, et c'est fini Camille. À 34 000 euros, merci. L'enchère à gauche, et on va adjuger cette fois à 34 000 euros. On adjuge. 34 000 euros, Guillaume, votre enchère. Le numéro 387, présenté par le rat de Pierre Ponce, est une pouliche bénée le 18 février. Alors, je vois Jean-Claude Rouget actuellement en train de discuter avec Daniel Chassagneux. Et je me demande si c'est pas lui qui l'aurait acheté. La propre sœur d'Indiaco, le très précoce Indiaco. Oui, c'est ça, Jean-Claude Rouget, qui a acheté Klimt Kerkus pour 34 000 euros. Alors maintenant, on va passer au rat de Pierre Pont. Avec Falco et Indian Beauty. À 3 000 euros, la propre sœur d'Indiaco, bien sûr, à 3 000. À 3 000 euros, que vous l'enchère à 3 000. À 3 000 euros, c'est votre enchère au trait à 3 000. À 3 000 euros, 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 le frère était très précoce. À 3 000 euros, 4 000 maintenant l'enchère. À 4 000 euros. À 4 000 euros, 5 000 maintenant votre enchère à 5 000. À 5 000 euros, à 5 000. À 5 000 euros, à 5 000. 6 000. 6 000, votre enchère Guillaume à 6 000. À 6 000 euros, 8 000. À 8 000 euros. À 8 000 euros, c'est votre enchère maintenant à 8 000. À 8 000 euros, à 8 000. À 8 000 euros, à 8 000. À 8 000 euros, à 8 000 euros, c'est contre vous Guillaume à 8 000. À 8 000 euros, 10 000, votre enchère. À 10 000 euros, votre enchère Guillaume à 10 000. 11 000 euros maintenant. L'enchère par Audrey à 11 000. À 11 000 euros. À 11 000 euros, que l'enchère de 11 000. À 11 000, 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 à 11 000. À 11 000 euros, la propre sœur d'Indiaco. 11 000 euros, le très précoce Indiaco. À 11 000 euros. À 11 000 euros, l'enchère est en face à 11 000. À 11 000 euros, fini Guillaume. À 11 000 euros, on va l'adjuger 12 000. 12 000 euros, c'est votre enchère à 14 000. 14 000 en face à 14 000. À 14 000 euros, toujours votre enchère Audrey à 14 000. À 14 000 euros, que dit-on à gauche à 14 000. À 14 000 euros, l'enchère en face à 14 000. 16 000 euros, mon enchère. À 16 000 euros, 16 000 euros, Guillaume. À 16 000 euros, c'est qu'on en face à 16 000. À 16 000 euros, que dit-on en face 17 000. 17 000 euros. À 17 000 euros, l'enchère en face à 17 000. À 17 000 euros, fini. À 17 000 euros, fini. 17 000 euros, j'avais en face. 18 000 euros maintenant l'enchère. À 18 000 euros, Guillaume, je vous laisse faire à 18 000. À 18 000 euros, ce n'est plus vous en face à 18 000. À 18 000 euros, la propre sœur d'Indiaco. À 18 000 euros, fini. À 18 000 euros, dernière fois, Guillaume, votre enchère, dernière fois, dernière chance à 18 000. À 18 000 euros, pas d'erreur, pas de regret. Le marteau va tomber. À 18 000 euros, on adjuge. 18 000, Guillaume. Le numéro 3. Ça a été vendu 18 000 euros, la propre sœur d'Indiaco, cheval précoce. Gagné il y a deux ans, l'an dernier. Moutatir et Moutatir, la mère placée de l'Easted, mère placée de l'Easted, la famille d'Ivanoé, la famille d'Ivanoé.
Ah, combien de butons? 3000 euros. Ah, 3000 euros qui est blanchi à 3000. La famille d'Ivanoé. Ivanoé, Ivanoé. Ce n'est de Ivanoé, le. La série est extraordinaire. Années 80. Dorothée. Club Dorothée. Ivanoé, c'est aussi le cheval qui a gagné le Grand Prix de Baden-Baden. Le gros surprise von Baden-Bania! Au mois de septembre à Deauville. Je vous raconte, moi. Au mois de septembre à Baden-Baden, bien sûr. Sous les yeux de Loïc Stecher. Et c'est Aquila de Fontaine, présenté par le Hara de Fontaine. Aquila de Fontaine, c'est un fils de Mutatir et Indian View. Par Spectrum. La mère a donné un gagnant par Morzan Reddy qui s'appelle Indian Arrow, ça veut dire flèche indienne. La mère a été placée de Lichten en Allemagne. Contre vous l'enchère en bas à 5000. À 5000 euros, c'est Marie, votre enchère à 5000. À 5000 euros, que dit-on 6000. 6000 euros. À 6000 euros, maintenant, l'enchère est par Laura en face. À 6000 euros. À 6000 euros, c'est contre vous, maintenant, Marie à 6000. À 6000 euros, et vous le perdez ici, le Mutatir, mère Black Type à 6000. À 6000 euros, fini. À 6000 euros, merci. À 6000 euros, l'enchère en face par Laura et on va juger à 6000 euros. 7000, il était temps. Très signé par son père, ce fils de Mutatir. Mutatir qui a 20 ans et qui aura 20 ans au printemps prochain. Il fait toujours la monte, il est toujours très en verve au Hara du Mézeray. C'est Christine Luther. Dans l'Orne, près de Vimoutier. À 8000 euros, l'enchère en face par Laura. 9000. 9000 euros arrondissez. À 9000 euros, mettez 10. À 9000 euros, mettez 10, monsieur. À 9000. À 9000 euros, vous l'aviez presque. À 9000 euros, maintenant l'enchère est en bas. À 9000. À 9000 euros, fini. Et enfin, la chance à 9000. À 9000 euros, fini. L'enchère en bas par Marie. 9000 euros, merci. À 9000. 10000. 10 000 euros, à 10 000 euros, vous attendez le dernier moment à 9, à 10 000, à 10 000 euros, à 10 000 euros, c'est contre vous, Marie, à 10 000, à 10 000 euros, à 10 000 euros, 12 000. 12 000 euros, c'est Marie, votre enchère à 12 000, à 12 000 euros, qu'est-ce qu'il dit en haut, à 12 000, à 12 000 euros, il a dit non cette fois-ci, à 12 000, à 12 000 euros, n'attendez pas le dernier moment à 12 000, à 12 000 euros, le marteau va tomber, dernière fois, dernière chance à 12 000, à 12 000 euros, dernière fois, à 12 000 euros, merci, à 12 000 euros, on la juge, 12 000 euros. Ah oui, Maître Bernard a laissé tomber fatalement son marteau à 12 000 euros. C'est une pouliche alsacienne. Et le 388 a ainsi été vendu. Le rat de Fontaine, je ne connais pas les vendeurs. Shakespearean, c'est un jeune étalon du hara de la Hétraie, fils de Chamardal et Pimpolaise, souche Strauss, que celle de Shakespearean croisée avec Chamardal. Un double gagnant de groupe en Angleterre, groupe 2 et groupe 3. Non, Shakespearean faisait la montre cette année, je crois, au Hara du, ou l'année dernière, au Hara du Hogney. Il avait été confié par Pascal Nou. La mère, donc la pouliche est nommée, s'appelle Infinia. Elle est présentée par le Hara de Clairefontaine, c'est-à-dire Marie-Laure Collet. Infini, la mère qui n'a pas couru par Sindar, et la sœur de Yota, gagnant du Prize d'Air Diana, un groupe 1 en Allemagne, le prix de Diana allemand. C'est une très jolie famille. C'est aussi la sœur de Johanina, troisième du Prize Fun Europa, un groupe 1. Sacrée souche allemande. 10 000 euros maintenant, chérie, là, à 10 000. 10 000 euros, 12 000. À 12 000 euros, vous êtes deux maintenant, 11 000. 11 000 euros si vous voulez. À 11 000 euros, c'est pas vous contre vous, Guillaume, je vous laisse faire 11 000. J'aime bien cette pouliche, elle a une robe, une belle robe, alzan brûlée. J'aime beaucoup ces robes-là. Voilà. À 11 000 euros, petite fille de Chamardal. Bon pédigré, c'est à 11 000. À 11 000. Alors Infini n'a pas couru, il nous présente son premier produit, la mère. Chérie, là, c'est fini, Camille, pas de regret. À 11 000 euros, regardez le pédigré ici, pas d'erreur, la famille d'Ibisenko à 11 000. À 11 000 euros, dernière fois, dernière chance. À 11 000 euros, c'est une enchère, Audrey. À 11 000 euros, merci. À 11 000 euros, l'enchère par Guillaume et le marteau va tomber. À 11 000 euros, pas de regret. À 11 000 euros, on a le juge. 11 000 euros, Guillaume. 11,390 présenté par. Alors le rat du Mézeray, on en parlait tout à l'heure avec Mutatir. Et là, c'est un produit de l'étalon du rat du Mézeray d'ailleurs, My Boy Charlie, qui est présenté. La mère s'appelle Isola Tiberina. Par NSI, étalon américain. N'a pas couru. Isola Tiberina, mais c'est une fille de Trampoli qui, elle, a couru beaucoup. 9 victoires de 3 à 5 ans. Elle a gagné le Orchid Handicap, un groupe 2 aux États-Unis. Elle avait commencé sa carrière en France plusieurs fois. Placée de groupe. La souche, vieille souche du Mézeray, hein, celle de Lutte de Saron, Lutte Danseur, Trampoli. Roi Normand.
à 4000 euros. Puis Coquerel aussi sous une autre branche. 5000 mon enchère. À 5000 euros, c'est mon enchère. À 5000 euros, à 5000 euros. Maintenant 6000 l'enchère en face par Solène à 6000. À 6000 euros, c'est Solène l'enchère en face. À 6000 euros. À 6000 euros, l'enchère est en face à 6000. 7000 mon enchère. À 7000 euros, l'enchère direct à moi à 7000. À 7000 euros, et que dit ton Camille? 8000 maintenant l'enchère en face par Solène. À 8000 euros, et c'est plus vous Camille, à 8000. À 8000 euros. À 8000 euros, My Boy Charlie ici à 9000. 9000 euros mon enchère. À 9000 euros, mettez 10 pour l'avoir à 9000. À 9000 euros, le My Boy Charlie. À 9000 euros, regardez le pedigree ici à 9000. À 9000 euros, c'est contre vous 10000. 10000 euros, c'est pris maintenant l'enchère par Solène à 10000. À 10000 euros, c'est contre vous à droite à 10000. À 10000 euros. À 10000 euros, 12000. Maintenant, vous êtes deux, c'est par vous contre vous à 12000. À 12000 euros, quel est le second à 12000. À 12000 euros, mettez 14 à 12000. À 12000 euros, mettez 14. À 12000 euros, My Boy Charlie, regardez le pedigree à deuxième air trampoli. À 12000 euros. À 12000 euros, c'est par vous contre vous maintenant l'enchère à Solène à 12000. 14000 maintenant par Camille. À 14000 euros. À 14000 euros, l'enchère est là à 14000. À 14000 euros, l'enchère est là, oui, effectivement. Charles-Henri de Boussac qui est présent. À 14 000 euros, à 14 000 euros, Philippe Jousset et Christine Dutertre, donc Charles-Henri de Boussac, c'est le propriétaire du Hara. Philippe Jousset, le responsable technique, on va dire, c'est-à-dire des chevaux, du personnel, et puis c'est le responsable administratif. La maman de Lisa Lope. Nous en sommes à... Non, pas encore à 20 000, puisque nous en sommes à 18 000 euros. Arrondissez à 19000 euros, à 19000 euros, 20000, 20000 euros. Voilà, ça y est, c'est fait. 20000 euros, c'est toujours pas vrai contre vous, c'est à 20000. Bon, certes, la mère n'a pas couru. Je peux pas vous dire exactement pourquoi elle n'a pas couru. Je suis pas renseigné à ce point, désolé. En tout cas, le My Boy Charlie, il a de l'allure. Puis My Boy Charlie, ça marche. Hein. Euro Charlene, Peggy Jean, Charlie Boy en Australie, Salaï en France. À 21000 euros, c'est fini. À 21000 euros, merci. À 21000 euros, 22000. L'enchère tout au fond du passage à 22 000. À 22 000 euros. À 22 000 euros, quel est le second soleil à 22 000. À 22 000 euros, et vous le perdez, le My Boy Charlie, ici à 22 000. 23 000. 5 23. 25 23 000 euros. À 23 000 euros, c'est l'enchère par soleil à 23 000. À 23 000 euros, 23. 25 à 23 000 euros, c'est contre vous, et vous le perdez. You lose him. No mistake. 25. 25. 24, si vous voulez. 24 000 euros, à 24 000 euros, à 24 000 euros, à 24 000 euros, mettez 6 maintenant pour l'avoir à 24 000. À 24 000 euros, il a dit non, il est parti à 24 000. À 24 000 bid now, on the right side, et on va adjuger à 24 000. À 24 000 euros, Solène, votre enchère, à 24 000 euros, dernière fois, à 24 000. On adjuge. On adjuge. 24 000 euros, good morning. Thank you, sir. Le numéro 391, présenté par Jetbox Stott, c'est un mal béné le 29 avril par Goldaway et Jack Honori. A noter que ce cheval est vendu sans TVA à hauteur de 50%. 50% of this horse is sold without VAT. A noter également que son propre frère, What a Story, compte une place en deux sorties à Clairefontaine. Eh oui, Soave et Sunday Break, les deux nouveaux étalons du Hara du Lion. Et nous vendons ici le 3 quarts. Un carton, le Hara du Lion, avec 600 juments saillies, là, sa première année d'existence en 2014, ce printemps. Goldaway. Et tout de suite, noter, on sûr, prend deux nouveaux étalons. Soave entre en provenance de très bon début, deuxième, du Hara des Faunes. Magnifique cheval, Soave. Je vous invite tous à découvrir. Il est actuellement, actuellement stationné au Hara de la Rosselière, chez Pierre de la Guéhenière, avant d'aller au Lyon. Et puis il y aura bien sûr le salon des étalons. Janvier, au Lyon d'Angers, pour découvrir tous ces chevaux, dont les nouveaux, donc Soave et puis Sunday Break, qui lui arrive de Normandie. Alors, le 391 est un lot un peu particulier parce que c'est quand même la 3 quart sort de All Is Vanity, gagnante du prix de Sandringham, groupe 2. Le 2 ans. Vient de faire des débuts très prometteurs à 4000 euros. À 4000 euros qui couvre la chair à 4000. Oui, la mère s'appelle Jack Honoris, c'est une charmante sable. Une marchande de sable. 5000 euros à 5000, 5000 euros à 6000, 6000 euros. Et c'est la sœur de Olis Vanity, qui est par Goldaway. Olis Vanity, tout le monde la connaît, je ne vous en reparle pas. 7000 euros, c'est toujours votre enchère. Montée par Franck Blondet. 7000 euros à 7000. Et puis à 7000 euros, Colin Second à 7000. À 7000 euros, à 7000 euros. Ce qu'il faut dire, c'est que Jack Honori, donc elle a été recroisée logiquement à Goldaway. Puisque ça avait bien marché avec Olis Vanity. Et le 2 ans, What a Story a fait un excellent début à Deauville. Et voici le Yearling. Et Goldaway, bon, on le connaît tous, hein. Goldaway, c'est un super étalon. 8000 euros, c'est
le père de Full of Gold, Alexander Goldrun, de Musical Way. Et si vous voulez des Gold Away, il faut se précipiter parce que c'est sa dernière génération d'hurling à Gold Away. Et oui, il n'est pas mort, hein, mais il est tombé subrepticement stérile il y a donc 2 ans. Et voilà, il ne saigne plus désormais. À 9 000 euros, on ne vous voit plus à 9 000. À 9 000 euros, fini. À 9 000 euros, l'enchère. C'est vraiment pas cher. À 9 000 euros, pas de regard dans la salle. À 9 000 euros. 9 000 euros, on a le juge. Monsieur Boutin, 9 000 euros. Audrey, votre enchère. Cédric ou Mathieu ? 92, présenté par le Rat des Loges. J'ai vu Mathieu Boutin. 27 avril par Soldier of Fortune. Et hier ou ce matin, donc ça doit être lui, je n'avais pas vu encore. Le petit-fils de Galiléo ici. Premier bon achat toujours. King's Best. Alors. Fait de bon début en tant que père de mère. La famille de Ron. Maintenant, c'est un yearling toujours. Oui, c'est ça, c'est Mathieu, regardez-le, voilà. 3 000 euros. À 3 000 euros, Kevin Cher, à 3 000. À 3 000 euros, un petit-fils de Galilée. Qu'est-ce que je raconte ? Non, c'est Cédric. Ah bah oui, Cédric, il est arrivé. Il a dû arriver après les courses de Deauville, là. Qui sont, on en est rendu à la 8-9e. Equilum, c'est le moment d'en parler. Ça, c'est pratique, ça. Je vous invite à aller sur le site ou à téléphoner à Alain Darroux pour en savoir plus sur le cas de Equilum. Pour savoir comment ça marche. Ça, c'est... Une seule enchère, à 3 000 euros, un petit-fils de Galiléo. C'est quelque chose qui est très pratique, qui permet, c'est la luminothérapie pour chevaux qui permet d'avancer la saison de reproduction, d'éviter les gestations prolongées, de laisser vivre les poulinières au pré, d'améliorer les performances des étalons en début de saison. C'est distribué par Equidarmor, partenaire de France. Et si vous avez la chance de rencontrer l'inventeur, en l'occurrence l'inventrice de Equilum, Barbara Murphy, c'est une vétérinaire irlandaise que je conseille à tout le monde de rencontrer. Les belles. À 6 000 euros, à 6 000 euros, c'est Camille qui tient l'enchère. À 6 000 euros, à 6 000 euros, Camille, votre enchère à 6 000. À 6 000 euros, c'est contre vous en face à 6 000. À 6 000 euros, dernière fois, à 6 000 euros, le marteau va tomber. À 6 000 euros, on a le juge. 6 000 euros, Camille, monsieur Porzier, merci monsieur. Le numéro 393, présenté par le Rat du Mézeray, c'est un Malbéné le 11 mai par Nakous et Cadence Ring. Nakous, frère de Black Tide, mère Bering, la famille de Cadenceville, de Guestville, a comme débutant ici, petit-fils d'Oasis Dream, 3 000 euros, à 3 000 euros qui veulent l'enchère à 3 000, à 3 000 euros qui veulent l'enchère à 3 000, à 3 000 euros, à 3 000, à 3 000 euros, à 3 000, à 3 000 euros, à 3 000, à 3 000 euros qui veulent l'enchère à 3 000, à 3 000 euros, 3 000 euros, à 3 000 euros, un petit-fils d'Oasis Dream ici à 3 000, 3 000 euros, c'est prêt à 3 000. Tandis que je vous invite toujours à consulter l'espace interactif, hein. Regardez en dessous, de l'écran de diffusion, il y a l'espace interactif qui vous permet de voir toutes les vidéos, les photos sur les apparentés, c'est-à-dire les parents directs. À 3 000 euros, par le regret, pas de... Père, la mère et puis toute la famille. À 3 000 euros, et vous laissez partir ici le petit-fils d'Oasis Dream, frère de Black Type, à 2 gagnants, à 2 ans, placé de l'Istel à 2 ans, la sœur, pas d'erreur, à 3 000 euros, à 3 000 euros, et c'est toujours le... Ça, c'est... Et c'est bizarre, la vie, quand même, parce que tout à l'heure, là, on a un Akous qui va prendre une gamelle, puisqu'à 3 000 euros, il y a une seule enchère, je crois. Bon, après, physiquement, il a peut-être des défauts, hein, pour être adjugé à ce prix-là. Mais c'est un petit-fils de Cadenceville. Et donc, son cousin, tout à l'heure, a fait un gros prix. C'était, je reviens en arrière, c'était Whiteville, il s'appelait. Là, Le Havre, la 381 qui a été vendue pour 45 000 euros, je crois. Eh oui. Le frère de deux vainqueurs. Si ce n'est toi. C'est donc ton frère, mais c'est vrai que Nakous. Frère de 3 ans est encore placé depuis l'apparition du catalogue. La famille du très prometteur Bellardo, gagnant des Dewar Stakes, groupe 1. À combien de buts-on ? La famille de Bellardo ici, petit-fils d'Anaba, 3 000 euros. À 3 000 euros, qui veulent l'enchère à 3 000. 3 000 euros. À 3 000 euros, qui veulent l'enchère à 3 000. 3 000 euros, 3 000 euros, c'est près de 3 000. À 3 000 euros, qui veulent l'enchère à 3 000. 3 000 euros, 3 000. 3 000 euros, 3 000. 3 000 euros, 3 000. À 3 000 euros. À 3 000 euros, qui veulent l'enchère à 3 000. Eh oui, Nakous. Luc, je suis ton père. Quoi ? Je m'écoute. Eh oui. 4 000 euros, c'est Grégoire, votre enchère à 4 000. 5 000 euros maintenant par Guillaume à 5 000. À 5 000 euros, 6 000 maintenant par Camille. Pas toujours facile. Allez, un abroulant. Sacré morceau que ce loup breton là. Oulala. Loup breton, c'est un jeune étalon. 7 000 euros maintenant, c'est Grégoire, votre enchère à 7 000. À 7 000 euros, 8 000. Qui fait la monte au haras de Saint-Vincent dans le sud-ouest, qui nous présente ses premiers yearlings. 8 000 euros, 8 000. 8 000 euros,
9 000 euros, 10 000 euros maintenant qu'à 1 000 enchères, à 10 000 euros. D'ailleurs, c'est le rat de Saint-Vincent, hein, Thierry Dalonga, qui nous présente ce produit. À 10 000 euros, la famille de Bellardo. Monument, et en plus de ça, il a une petite, il a une chance avec lui, ce cheval, c'est que c'est la famille de Bellardo, fils de Lope de Vega, qui vient de s'illustrer en gagnant les Duo Stakes. À Newmarket, copain pour 2 ans, sur 1400 mètres. C'est aussi la famille de la championne sprinteuse Kistena. Elle a battu un abat dans l'édition de l'Abbaye de Longchamp. La mère est par Monsoon. À 13 000 euros, merci. 14 000 euros. À 14 000 euros. Tiens, tiens, il y a Freddy Head qui vient de rentrer dans le ring. À 15 000 euros, c'est contre vous. Ah, il garde un souvenir douloureux de Kistena, hein, puisqu'il était entraîné par sa sœur, Cricket, mais Kistena, elle était montée par Olivier Doleuse, et Kistena, elle avait battu un abat. Et qui est-ce qui montait un abat? Battu un abat dans les dernières foulées, qui est-ce qui montait un abat? Bah, c'était Freddy. On a juge. 15 000 euros, Solène, votre enchère. Le numéro 395, présenté par le rat des Troans, c'est une pouliche bénée le 8 février par Zamindar et Tagarama, Katagarama. Pardon. Qu'est-ce qu'il a dit? Katagarama. Zamindar, femelle de Zamindar. Ah, une femelle, je précise bien, c'est une femelle. Parce que pour Zamindar, il y a deux solutions. Hein. Soit c'est des mâles et ça va pas, soit c'est des femelles et ça va. Zamindar, 3000 euros. Ah, très important, hein, le nouvel espace membre. Plus simple, plus facile et plus rapide. Dans quelques jours, on va sortir le nouvel espace membre sur France Cire. Pour tous les éleveurs qui ont des pages, vous allez voir, vous allez pouvoir mettre à jour vos pages beaucoup plus aisément qu'aujourd'hui. C'est tout nouveau, c'est tout chaud, on va le sortir après les ventes. Là, on voulait pas faire tout en même temps. On attend le passage des ventes et dès lundi prochain, ce sera le nouvel espace membre qui sera lancé en grand fanfare pour vous, chers amis éleveurs, et pour tous les éleveurs qui nous écoutent et qui n'ont pas encore de page d'élevage. Et ben c'est l'occasion de s'inscrire, de développer, de devenir membre du club des Francirois. Et oui, club France, des gens de Francir, ben ce sont tous les clubs des Francirois. Et des Francirennes pour les dames. Palais à 11 000. À 11 000 euros, c'est Solène qui tient en chair. À 11 000 euros. À 11 000 euros, la famille de Torres Trella ici à 11 000. À 11 000 euros, Fini Laura. À 11 000 euros, et Palo Grado à 11 000. À 11 000 euros, dernière fois. À 11 000 euros, Solène, 12 000. 12 000 euros, mettez 14. À 12 000 euros. À 12 000 euros, l'enchère par Laura à 14 000. À 14 000 euros. À 14 000 euros, c'est Solène qui tient en chair. Donc ici, c'est la famille de Torres Trella. Qui d'Orpen Torres Trella, sous la troisième mère. Nous avons affaire à Zamindar, donc le père. Premier produit de Katagarama. Alors quand, c'est vrai que quand on est Zamindar, c'est un peu un con, mais on espère absolument avoir une femelle. Zamindar, c'est quand même le père de Zarkava, Krell, Dargina, Zenda. Mais c'est vrai que Zamindar, bon, il fait plus la montre maintenant, mais il fait longtemps qu'il n'a pas sorti grand-chose. Bon, 396 désormais. C'est une fille de King's Best et Kachina Quest par Houston Or, présentée par le roi de Grand Camp, Eric Lermite. Kachina Quest, gagnante de l'Eastud et mère de gagnante de l'Eastud, Saturnine, une Galiléo qui a gagné le prix Panacé. Famille aussi de Just Little, gagnante du prix Vento. À 5000 qui offre 5000 pour débuter. 5000 euros, 5000, 5000 qui offre 5000. Profil assez précoce, puissante, cette fille de King's Best ressemble à son père. King's Best qui file à monter en France, hein, d'où la naissance de ce produit, qui est reparti à l'étranger, King's Best. Il est arrivé en France quand, juste au moment où il a sorti Workforce, ça tombait bien, le gagnant de l'Arc de Triomphe 2010. 10 000 en face, l'enchère à 10 000. À 10 000 euros, à 10 000 euros, qui coûte en jeu de 10 000. À 10 000 euros, la mère, oui, 12 000. La mère gagnante de l'Eastud est placée de groupe 1. À 12 000, nous sommes. À 12 000, 14 Solène, 14 000, plus vous, Laura, 14 000. À 14 000, qui coûte en jeu de 14 000. À 14 000, à 14 000 euros, l'enchère à 14 000, à 16 000, toujours Solène, l'enchère à 16 000, à 16 000 euros, à 16 000 euros, qui coûte en jeu de 16 000, à 16 000 euros, à 16 000 euros, nous sommes, à 18 000, à 18 000, à 18 000, à 18 000 euros, la fille de King's Best à 18 000, 20 000, Solène, toujours la mère, placée de groupe 1, mère gagnante de l'Eastud à 20 000 euros l'enchère. À 20 000 euros, c'est bien vu. La mère pareil, Stoner à 20 000, à 20 000, à 20 000. À 20 000 euros l'enchère. À 20 000, c'est Solène l'enchère à 20 000. Pas vous, Laura l'enchère et on va être jugé à 20 000. À 20 000 euros, bien vu. Par le Grénon, à 20 000 euros, on peut être jugé à 20 000. On est juge. 20 000, Solène.
Le numéro 397, présenté par alors, le Pénéné, c'est un Malalzan et le 26 janvier par Tamayouz et Caterini. Tamayouz, tiens, on n'avait pas beaucoup parlé de Tamayouz pour l'instant. Tamayouz, c'est le père du 397, présenté par le haras du Kennet. Tamayouz était entraîné par Freddy Head. Ah, c'est peut-être pour ça que Freddy est là dans le ring, là. Parce qu'on le voit pas ici souvent pour faire du tourisme, Freddy. Et donc, un mâle de Tamayouz, Alzan, comme son père d'ailleurs. Mais, sauf qu'à Tamayouz, il n'avait pas du tout de blanc. Lui, il a du blanc, hein, sur la tête. La mère est par Kassik. Le Abdullah, Kassik. Le frère de Champs-Élysées, le fils de Azili. Et Caterini, la mère, a été placée de Wisted, un deuxième du Yakolev à Deauville pour les débutants. 2 ans, une pouliche précoce donc. Il nous présente ici son premier produit. La souche de Leo Girl, Navratilovna, Maximova, 7e ciel, des chevaux que montaient d'ailleurs Freddy. 16 000, 18 Solène, 18 20 000 Audrey, 20 000 Freddy, bien sûr, qui est co-gérant du haras du Kennet avec sa sœur Fiquette. À 22 000 plus vous, Audrey Lanchère, à 22 000 le fil de Tamayouz issu. Les enfants ont pris la succession de Alec, le patriarche, mais qui reste très très présent, bien entendu. Très très présent, bien entendu, au haras du Kennet. 25 000 qui conche de 25 000. À 90 ans. À 25 000. Forme étincelante. D'autant plus qu'il gagne des courses, c'est pas 25, les moindres, puisqu'il vient de faire le doublé avec Trèves, le doublé de l'Arc de Triomphe. Laura, c'est la même. À 28 000, 30 000, Laura l'enchère maintenant. 30 000, plus vous, Guillaume. À 30 000 euros, le fil de Tamayouz. À 32 000, 35 000. À 35 000, qui couche le 35 000 pour le fil de Tamayouz. À 35 000 euros, qui couche. De 35 000. À 35 000, c'est Laura, pas vous, Guillaume. À 35 000 euros, qui couvre de 35 000. 36 000, l'opposition faiblit. À 36 000 euros, un effort. À 37 000, plus vous, Guillaume. À 37 000 euros, qui couvre de 37 000. À 37 000 euros, l'enchère pour le fils de Tamayouz. La mère gagnante de deux courses est placée de Listed. 38 000, essayez 40. À 38 000. Donc je vous rappelle que pour afficher les infos du long cours, vous appuyez sur le bouton afficher les infos du long cours. Ça paraît tout simple, mais bon, c'est bon de le rappeler. Essayez 40 à 38 000. 39, si vous voulez. 39, alors, si vous voulez savoir pourquoi on n'a pas. 39, on a débrayé, en fait, 39, les informations du lot en cours en bas. Par rapport au direct, c'est tout simplement parce que si vous voulez consulter, eh bien, quand vous le souhaitez, les chevaux en amont ou en aval, les fiches des chevaux en amont ou en aval de leur passage, eh bien, vous pouvez le faire à votre choix en regardant dans les à venir ou dans les résultats. Vous choisissez votre cheval sur la droite, un col de droite, et vous pouvez aller voir les chevaux quand vous le souhaitez, bien sûr. Et si vous voulez revenir sur le direct, eh ben il suffit d'appuyer sur information. Afficher les informations du bon en cours. Vu pas de regret, non. À 41 000, l'enchère est ici. À 41 000 par Laura. La Solène qui est en train de demander 1000. Allez, donne-moi 1000. Donne-moi 1000. N'attendez pas trop. Parce que. Eh oui. C'est tout au fond. Pas de friend. C'est pas là. Tout au fond du passage à 42 000. À 42 000, qui couche de 42 000, c'est bien vu, pas de regret. Fini, on ne peut plus attendre, pas de regret, on adjuge. 42 000, Solène. Le numéro 398, présenté par le rat des faunes, Kate Miss, c'est une femelle B foncé née le 25 février par Nami des Cathy Arden. A noter que ce cheval est vendu sans TVA, 10 or 6 sold without VAT. Fille de Nami. Issue de la sœur de Strawberry Fields, gagnante groupe 2. Strawberry Fields. Ah, on n'a pas mis les Beatles sur le clavier magique, là. Oh. Welcome to Strawberry Fields. Tiens, Literato, un petit clin d'œil sur Literato. Literato, tiens, on va écrire un article demain sur France Cire, parce que Literato a des résultats tout à fait spectaculaires en ce moment. Alors, sur que ce soit sur les pistes ou alors sur les rings. Donc, je vous en parlerai un peu plus en détail demain sur France Cire, tandis que là, le 398, c'est une fille de Namid, Cathy Arden, présentée par le Haras des Faunes. Namid est au Qatar désormais, mais Namid a fait la monte un an au Haras des Faunes, il y a donc 2 ans. Il a donné naissance à cette série de yearlings. Nous avons le premier représentant ici, présenté par Alain Chopard du Haras des Faunes. C'est une nièce donc de Strawberry Field, gagnant de Listed de groupe même en Italie. À 6 000, Guillaume, toujours à 6 000, à 6 000 euros, la mère gagnante, à 6 000 euros l'enchère, à 6 000 euros qui couvre
de 6 000, à 6 000 euros, à 6 000 euros l'enchère, enchère par Guillaume, à 6 000 euros, à 6 000 euros, qui commence de 6 000, à 6 000 euros, c'est bien vu, à 6 000 euros l'enchère, à 6 000 euros l'enchère, bien vu, pas de regret nulle part, à 6 000, à 6 000 euros, vous la laissez partir, à 6 000 euros l'enchère et par Guillaume, à 6 000 euros, rien au-dessus de 6 000, on va être jugé, même à 6 000, à 6 000 euros seulement, vous la laissez 6 000 partir pour 6 000 euros, alors. Pas de regret non, votre enchère Guillaume, à 6 000 euros. On a du 6 000 Guillaume. Oh. Le numéro 399 présenté par le Radio Ognée, c'est un Malbène et le 20. Mon Dieu, je ne suis pas épaulé. C'est Kestria. Ouais. À noter que Fadail compte une place supplémentaire en Grande-Bretagne dans le Rockfell Stake Group 2 depuis l'apparition du catalogue. Petit-fils de Ziria qui a gagné le prix du bois. Gagnant de groupe. Gagnant de groupe. C'est vendu à 6 000. À 2 ans, pardon, le prix du bois. Alors, on passe désormais à Panis. C'est vendu, c'est Cédric Boutin qui signe le bulletin magique. 5 000 qui offre. Oui, c'est cela, Cédric Boutin. 5 000 pour débuter. 5 000. Sa veste blanche, on voit aussi en gros plan. 5 000 euros pour le fils de Panis. 5 000, 3 000. Alors, le Radio Ognée, Panis. Panis qui fait la monte désormais au Hara des faunes. On en parlait juste avant. Panis à 3 000. Il avait. Vraiment, il avait tout débuté sa carrière au Radio Ognée. Il avait été passé complètement en oubli, il a quasiment pas saillé. Après, il est passé au Radio des Faunes, là, ça a super bien marché. Après, il a été au Radio du Quenay, il est retourné au Radio Ognée, et puis, bah, cette année, Panis est revenu au Radio des Faunes. Là où il est pris comme un messie, il a beaucoup apporté aux éleveurs du sud-ouest, Panis. Et oui, parce qu'au début, personne ne voulait trop de lui. Et pourtant, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient parmi les tiens. La vie est un long fleuve tranquille. Panis est revenu chez Louis, tel un messie, tel Jésus qui revient en terre conquise. Bref, c'est un neveu de Athénia, gagnant de la Baden-Baden Cup à Baden-Baden cette année. Panis est le père d'un grand demi à 14. On allait à juger à 12 000, mais on a... 14 000, plus vous Jérôme Lanchère à 14, 15 000, plus vous Alain à 15 000, qui couvre de 15 000 euros, qui couvre de 15 000, à 15 000 euros, c'est bien vu, pas de regret, non, à 15 000, on va être jugé, on va être jugé. À 15 000 euros, pas vous Solène, c'est bien vu, on a de juge, 15 000, Cône Marnen. Le numéro 400, présenté par le Rat du Bois au Prouse, par Tekersus, est un Malbé né le 29 mars par Canford Cliffs et Kaisarana. A noter que Eos Kersus compte une place à 2 ans dans le prix de Richemont à Nantes et que la 2 ans Nafaka compte une victoire de Listed et s'est placé deuxième de groupe 2, le tout depuis l'apparition du catalogue. La mairie gagnante est placée de Listed. Ce poulain est demi-frère de 4 vainqueurs, dont Suprême Essence, gagnant de 3 courses, est placé de Listed. Fils de Canford Cliffs, combien offre-t-on ? 10 000, 5 000, le fils de Canford Cliffs. 5 000 euros qui offre 5 000 pour débuter le fils de... Oui, 5 000, à gauche l'enchère à 5 000, 6 000, à 6 000 euros, à 6 000 euros qui courent de 6 000, à 6 000 euros, à 6 000 euros, 7 000, le fils de Canford Cliffs à 7 000, à 7 000 euros, à 7 000 euros, à 7 000 euros qui courent de 7 000, à 7 000, 8 000, à 8 000 euros, Grégoire l'enchère à 8 000, à 8 000 euros, 10 000, Guillaume l'enchère à 10 000, à 10 000 euros, plus vous Grégoire l'enchère à 10 000. À 10 000 euros qui couvre de 10 000. À 10 000 euros, c'est bien vu. À 10 000 euros, l'enchère, Doué 12 000, Ludovic l'enchère à 12 000. À 12 000 euros, l'enchère. À 12 000 euros, le fils de Canford Cliff, 14, 16, 16, 16 000. Solène, l'enchère à 16 000. À 16 000, plus vous, Guillaume, mais pas vous non plus, Ludovic à 16 000. À 16 000 euros, 18 000. À 18 000, plus vous, Solène, 20 000. Attendez, vous êtes plusieurs, là. Vous êtes nombreux même. Il y a plein de monde là autour du 400. Rien à droite. Spart Kirkus, un fils de Canford Cliff présenté par le Haras du Bois au Prou. De la famille Chassagneux. La mère Kaisarana, pardon, par Alard. Placé de Listed. Elle a déjà donné naissance à Argos Kirkus qui a été placé de Listed deuxième des Sables et à Nantes. Une Listed pour les deux ans.
Ludovic qui tient l'enchère à 28 000 euros, c'est bien vu, à 28 000, à 28 000, à 28 000, à 28 000, pas vous Solène, hein, 30 000, 30 000, Jérôme l'enchère à 30 000, à 30 000, pas vous, à 30 000, à 30 000, à 30 000, à 32, 32 000, 32 000, 32 000, Ludovic à 32 000, à 32 000, 35 000, 35 000, Jérôme, 35 000, 35 000, Ludovic contre vous à 35 000, à 35 000, à 35 000, qui couche de 35 000, à 35 000, à 35 000 euros, à 35 000 euros, à 35 000 euros, contre vous Ludovic, c'est Jérôme qui tient l'enchère, pas au restaurant non plus, à 35 000, le fils de Cornford Cliffs à 35 000, demi-frère de 4 vainqueurs, dont Suprême Essence à 35 000 euros, nous sommes à 35 000, à 35 000 euros, plus rien au-dessus, 38, 38 000, 38 000, 40 000, 40 000, 40 000, toujours Jérôme, à 40 000, à 40 000 euros, à 40 000 euros, toujours Jérôme l'enchère, à 40 000, à 40 000, à 40 000 euros, à 42, 42 000, 42 000, 42 000, 42 000, 45 000, 45 000, 45 000, à 45 000, on essaie 50, à 45 000, on essaie 50, à 45 000 l'enchère, à 45 000, oui, 50 000, 50 000, 50 000, 55, 55 000, 55 000, plus vous Ludovic encore, à 55 000, à 55 000, à 55 000, à 55 000, l'enchère toujours par Jérôme, à 55 000, à 55 000. Ah, les enchères montent là pour le Cornford Cliffs là. 55 000. 55 000, c'est un jeune étalon dont on parle, Cornford Cliffs. Oui, 60, 60 000. Fils de Tagula, il avait battu Goldikova, Cornford Cliffs. Alors, on est à 65 000, frère d'un placé de Listed. Pourtant, la mère n'est pas. Bon, elle n'est pas vieille, hein, elle est née en 2000. Fini Ludovic, pas de regret. Mais bon, le pedigree est là, hein, c'est la famille de Tarib aussi, la grand-mère avait gagné la poule d'essai des Pouliches. Jérôme, votre enchère, 65 000. 65 000 euros. 401, présenté par le Rat des Granges, c'est un mal béné le 19 avril par Siouni et Kiritsu. Demi-frère d'un gagnant de Listed, Rolling Bag, gagnant de 4 courses. Famille de gagnants de groupe, de gagnants de groupe 1, Saigon, Suffolk, Devil River Peak. Le frère de Rolling Bag par Siouni. 10 000, voulez-vous 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. Demi-frère d'un gagnant de Listed par Siouni. 10 000, voulez-vous 10 000, 5 000, 5 000 pour des. Oui, 5 000 à droite, l'enchère. 6 000, 6 000, 6 000. À 6 000, à 6 000, à 6 000, plus 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. Jérôme, toujours à 10 000 euros, à 10 000, à 10 000, à 10 000. À 12, 12, 12 000, 12 000, 12 000, 12 000. Toujours Jérôme. 12 000, 15 000, 15 000, 16 000, 18, 18 000, 18 000, Solène, 18 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, Jérôme, à 20 000, à 20 000, à 20 000, le fils de Siouni, 22, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, à 22 000 euros, à 22 000 euros, qui court de 22 000, à 22 000, à 22 000, c'est Solène, l'enchère à 22 000, à 22 000, plus vous, Jérôme, à 22 000, le fils de Siouni, le frère de Rolling Bag, à 22 000, à 22 000, à 25. À 25 000, le frère de Rolling Bag à 25 000, par Siouni à 25 000, à 25 000, toujours vous Solène, à 25 000, à 25 000, à 25 000 euros l'enchère, à 25 000 euros qui couvre de 25 000, à 25 000 euros, à 25 000 euros qui couvre de 25 000, pressons, à 25 000 euros, plus vous Jérôme, 28, 28 000, 28 000, 28 000, 27 000, 27 000, 27 000, 27 000, à 27 000, à 27 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, toujours Solène, à 30 000, à 30 000, à 30 000 qui couvre de 30 000, à 30 000 euros, à 30 000 euros, qui couche de 30 000, à 30 000 euros l'enchère, à 30 000, à 30 000 euros, à 30 000 euros, qui couche de 30 000, à 30 000 euros, c'est bien vu, pas de regret, non, à 30 000 euros, le frère de Rolling Bag par Siouni, on va la juger, à 30 000 euros, rien au-dessus de 30 000, pas de regret, fini, à 30 000 euros, la juge, 30 000 Solène. Le numéro 402, présenté par le Rat de Succo, c'est un mal béné le 27 avril par Elusive City et Cosmic View. Demi-frère de deux vainqueurs par Elusive City. La mère et la sœur d'Ariège, gagnant de groupe 1 aux États-Unis. Et la fille de Kostroma, gagnant des Beverly D-Stakes, groupe 1 également. Donc un bon papier, famille de Grismine aussi, gagnant de Saint-Hilary, pour ce fils Elusive City. 10 000, 5 000, 5 000 euros, 5 000 pour débuter. Allons-y, mettez vos enchères à 5 000, à 5 000, à 5 000, 3 000, voulez-vous 3 000 ? 3 000, 3 000, le fils Elusive City à 3 000, à 3 000 euros, à 3 000 euros qui offre 3 000, à 3 000 euros, à 3 000 euros qui offre 3 000 pour le fils Elusive City à 3 000, à 3 000, 3 000, 3 000 à droite, l'enchère à 3 000. Oui, 30 000 euros pour le lot précédent, le 401.
Frère de Rolling Bag par Siouni, présenté par le Haras des Granges. Le Haras des Granges, bien sûr, qui a la chance d'avoir dans ses boxes des talons Diamond Green, les talons qui fait un carton avec ses premiers deux ans FR cette année et qui fera la monte l'année prochaine avec Never on Sunday au Haras des Granges. 20 000 euros, Grégoire, et plus vous, Jérôme, à 20 000 euros, qui court 22 000, le fils d'Elusive City, à 22 000, 25 000, toujours à droite, l'enchère, à 25 000 euros, qui court de 25 000 euros, l'enchère, à 25 000 euros, c'est bien vu, pas de regret, non, à 25 000 euros, l'enchère, c'est bien vu, pas de regret, à 25 000 euros, le fils d'Elusive City, on va l'adjuger, votre enchère, Grégoire, fini, Jérôme, à 25 000 euros, pas de regret nulle part, à 28 000, Grégoire toujours, à 28 000, 30 000, voulez-vous, à 28 000, contre vous, à 28 000, 30 000 à droite, à 30 000, toujours à droite, l'enchère à 30 000 euros, Grégoire, votre enchère à 30 000. Les F-City, hein, pour le Haras de Succo. Et Cosmic View, petit-fils de Kostroma, gagnant de liste de groupe 1, double gagnant de groupe 1, triple gagnant de groupe 1 aux États-Unis. Le numéro 403 présenté par le Haras de Précolette, Siaka, c'est une pouliche bénée le 28 février par Siouni et Koutika. A noter que Draka compte une victoire et une place supplémentaire depuis l'apparition du catalogue. La mère est gagnante, le premier produit gagnant, la mère est la sœur de Diable Side, gagnant de liste. Bonne souche maternelle pour cette fille de Siouni. 10 000 euros pour la fille de Siouni, 5 000 euros la fille de Siouni, à 5 000 euros, allons-y, mettez vos enchères, 5 000 euros. Alors attention les yeux. La fille de Siouni, 5 000, Marie l'enchère à 5 000. Attention les yeux, Loïc Stécher a une information très importante. À 5 000 euros, qui compte de 5 000, à 5 000, 20 000, 25 000, Solène, plus vous. Tandis qu'on est en train de vendre, bien d'ailleurs, présenté par le Haras de Précolette, Siaka, femelle 403 de Siouni, par Kutika, la nièce de Diable Side. Loïc Stécher a eu un coup de téléphone qui fait éclater la vérité sur une sombre histoire qui occupe beaucoup l'actualité. En exclusivité, c'est pas des exclus jours de galop qu'ils ont piqué sur Facebook ou sur Twitter. Bon, on a trouvé sur Facebook le début de l'histoire, mais c'est un coup de téléphone, non pas d'un corbeau, mais de la véritable identité de la fausse voleuse de Trevi Mix qui est racontée aujourd'hui. Exactement, Arnaud, l'information est en ligne depuis quelques secondes seulement sur France Cire. Trevi Mix, souvenez-vous, ce cheval qui, soi-disant, avait été volé le 21 septembre dernier en pleine journée, a finalement été retrouvé, mais il était retrouvé déjà depuis longtemps. Puisque c'est Déborah Breteau du Haras d'Orion. Quel rapport entre Éric Breteau du Haras d'Orion qui avait révélé cette information, enfin qui avait livré cette information, son information vendue 31 000, le 403, sur Facebook, hein, on a cité Facebook bien sûr, hein, on n'invente pas des informations qui sont déjà sur Facebook. Quel rapport entre Éric Breteau et Déborah Breteau? C'est tout simplement sa future ex-femme puisque Déborah et Éric Breteau sont en instance de divorce. Oh mon Dieu, les amours finissent mal. En général. Ah, bah, enfin non, c'est pas drôle du tout. Non. Mais c'est comme ça. Mais comme quoi, hein, il y a de la passion dans les couples. Il y a de la passion à travers le cheval. C'est incroyable que cette histoire. Bon, des couples qui se déchirent, il y en a tous les jours. Hein. Mais que ça arrive avec le frère de Trevi Mix, de Trèf, pardon, qui s'appelle Trevi Mix, c'est quand même hallucinant. Loïc, résume-nous en quelques secondes déjà comment. Ça fait deux fois que Trevi Mix est retrouvé en fait. Hein. La première fois, il a été retrouvé. Raconte-nous l'histoire. La première fois, il a été retrouvé non pas par Éric Breteau comme il l'avait signalé, mais par bien sa femme. C'est Déborah Breteau qui... Ça, c'est ce qu'elle dit, par contre. Hein. Bah, nous, on juge pas. Hein. On relaie info, voilà. On va se contenter de ça. Dans un centre équestre, il y a plus d'un an, mais désormais, pour elle l'avait donc récupéré pour qu'il devienne étalon chez elle au Haras d'Orion en 2014.
Et comme sa sœur a réussi l'exploit de réaliser un doublé dans l'Arc de Triomphe, Trevi Mix a pris une toute autre valeur depuis ça. Et étant en instance de divorce, Eric Brotteau a sorti une fausse information. C'est ce que dit Deborah Brotteau toujours. Toujours, exactement. Nous relayons uniquement les informations. Et alors, à 40 000 euros, on va pas encore vendre le lot 404, la femelle de Pourwa, pour moi et Kyria. On passe du coca light, hein. Pour moi et Kyria par Grand Lodge, sœur de Monte Laponeone, petite fille de Kathleen, 40 000 euros quand même présenté par le haras de l'hôtellerie. Je suis en train de regarder si c'est pas une carne, mais je ne vois pas le banc de miel. Je ne sais pas qui est en train de... 43 000 euros et donc... sans tout dire ce qu'il y a dans l'article, qu'est-ce qu'elle dit Déborah Brotteau alors donc on va juger. Qu'est-ce qu'elle dit entre autres que... Elle dit entre autres que... son futur ex-mari avait donc alerté la police et la police va même se retourner contre lui parce que il n'a pas dit la vérité. Donc le cheval n'était pas volé premièrement et était bien la propriété de sa femme Déborah. Là, un divorce qui s'annonce percutant. C'est le juge qui va s'amuser, tiens. 45 000 euros le 404. Donc une information tout à fait essentielle à la vie des courses mondiales qui vient d'être révélée par Loïc Stécher grâce à un coup de téléphone vraiment qui change l'histoire, on va dire. 5 000 pour débuter, 5 000, 3 000, 3 000 euros, voulez-vous 3 000 qui offre 3 000 pour débuter, 3 000 euros, c'est Guillaume. 405, ça c'est une drôle de bagnole, hein. En Afrique il y en a toujours qui tournent. À 3 000 euros, le fils de Médicis, à 3 000. Ah, Médicis, alors Médicis qui en a un grand coup dans l'aile. Et il a beaucoup de problèmes physiques. Pourtant il est toujours motivé, hein. Il bande encore comme un taureau, mais Médicis il sera arrêté l'année prochaine parce que ça va pas. Enfin il a ses problèmes de santé. C'est un bon étalon, hein, Médicis. C'est un bon étalon, mais il a quand même des problèmes de santé qui font qu'il ne pourra pas continuer malheureusement à faire la montre l'année prochaine. À 5 000 euros, à 5 000 euros, 5 000 euros qui couronnent le 5 000. Alors le 405, ouais, parce que la souche paternelle n'est pas mauvaise du tout, hein, la mère, la boisserie, une Dancilly et la propre sœur de Dansant qui a gagné l'Istad. À 5 000 euros. Plusieurs reprises, 4 pistoles même. À 5 000 euros, on va être jugé. On va être jugé. 5 000 euros, vous le laissez partir, c'est bien vu, pas de regret nulle part. À 5 000 euros, on est juge. Guillaume, 5 000. Le numéro 406, présenté par le rat de Grand Camp. La fortune est là, c'est une pouliche bénée le 24 avril par Soldier of Fortune et La Buena. Demi-sœur de la Havresse, gagnante. Famille de Lablou, de Lomita, une bonne souche allemande pour cette fille de Soldier of Fortune. Mère gagnante, combien offre-t-on ? 10 000, 5 000, la fille de Soldier of Fortune. 5 000 euros. Soldier of Fortune pour le 406, présenté par le haras de Grand Camp, La Fortune est là. La Buena, la mère, une fille de Big Shuffle, étalon qui a beaucoup marqué l'élevage allemand. La Buena a gagné une course, c'est la sœur de la Galpe qui a gagné l'Istad dans l'Allemagne. Famille de Lablou, plus connue, qui a gagné plein de courses, de 2 à 4 ans, 6 exactement, et plusieurs groupes. Le 400, c'est Crispin de Mowbray qui a acheté à 65 000 euros. Le Colt from Ara du Beau Pro. 7 000 plus vous. À 8 000, voulez-vous louer 10 000, plus vous Solène. À 10 000, l'enchère sur la droite, à 10 000 euros, qui couronche de 10 000, à 10 000 euros l'enchère par Grégoire, à 10 000 euros, qui couronche de 10 000 pour la fille de Soldier en fortune, à 10 000, à 12 000, à 12 000, plus à droite, l'enchère à 12 000, à 12 000 euros, à 12 000 euros l'enchère par Solène, à 12 000 euros, fini ici, à 12 000 euros, qui couronche de 12 000, à 12 000 euros, c'est bien vu, pas de regret, non, on va la juger, à 12 000 euros, rien au-dessus de 12 000, fini à Grégoire, pas de regret nulle part, à 12 000 euros, on la juge, 12 000 Solène. C'est pas cher, hein. Belle pouliche pourtant. Mais bon, le Soldier of Fortune n'a pas une très bonne cote commerciale actuellement, au contraire de Le Havre, le prochain.
issu de la sœur de Dansan et de Le Bacardi. Bonne famille pour cette fille de Le Havre. À 100 mètres du but, fusil attaqué par Le Havre à la côte. Le Havre qui prend les meilleurs, qui va s'imposer. Le Havre qui s'impose avec ses offres mères devant Fusé. Ventralia, Bèche, Dame, Camado. À 10 000 euros, à 10 000 euros, à 10 000, 5 000, voulez-vous. 5 000 euros qui offre 5 000 pour débuter. 5 000, la fille de Le Havre et 5 000, Guillaume Lanchère à 5 000. À 5 000 euros, à 5 000 euros, à 5 000 euros, à 5 000 euros, à 5 000 euros. Et ouais, Le Havre. 15 000, 12 000, 12 000 Solène, 15 000 Guillaume. Père de la 407, présenté par la roi de Clairefontaine. La mère s'appelle La Bugatti par Dr Fong, une sorte de dansant. Ah bah tiens, c'est exactement le même pedigree que le 405 par Médicis. Parce qu'en fait, la grand-mère, c'est la même, la Balania. Même une fille de Christ. 20 000, 22 voulez-vous ? 22 000, la fille de Le Havre à 22 000, à 25 000, plus vous, à 25 000, à 25 000, 27 voulez-vous, à 25 000, c'est Solène, 27, à 25 000 euros, à 25 000 euros qui couronchent à 25 000 pour la fille de Le Havre, à 25 000, 27 si vous voulez, à 25 000, fini Guillaume, à 25 000, 27 000, plus vous Solène, à 27 000, on met 30, à 27 000 contre vous, à 27, on met 30, 28. Et ça monte. Ça monte. Tous les Le Havre se vendent très bien. C'est tout à fait logique, hein, vu les résultats du cheval. Avenir certain et tous les autres. Pas de regret, non. À 28 000, voulez-vous mettre 30 000 ? Encore le top price des ventes de. À 28 000, l'enchère par Solène. De l'arc au vrai. À 28 000 euros, c'est bien vu. À 800 000 euros, acheté par le China Horse Club. Par Solène, à 30 000, plus vous Solène. À 30 000, la fille de Le Havre, à 30 000, à 30 000, 31. 31 000 Solène à nouveau à 31 000, à 31 000, à 31 000 plus vous, à 31 000 plus à droite l'enchère à 31 000, à 31 000 euros c'est bien vu, pas de regret non, à 31 000 euros bien vu, pas de regret, à 31 000, fini, on est juge. 31 000 Solène. Le Havre. Le numéro 408 présenté par le Hara du Mézré, c'est une pouliche bénée le 4 février par Sœur Percy et la Luna. A noter que King of Le Havre, une place en deux sorties en obstacle. Cheval noir. Sur du catalogue. La mère est gagnante, la mère est la sœur de Lune d'Or, gagnante groupe 1 de la famille de Lutte Enchantée, gagnante du Jacques Lemarois. Belle famille pour cette fille de Sœur Percy. 10 000 euros, voulez-vous 10 000, qui offre 10 000 pour débuter, 10 000, 5 000, la fille de Sœur Percy à 5 000. Alors, Sœur Percy, présentée par le rat du Mézeray, très bon étalon, Sœur Percy. C'est la nièce de Lune d'Or, le 408. La famille de Lutte Enchantée à 5 000 euros. Famille de Lutte Enchantée, Lune d'Or, elle a gagné groupe 1 en Italie, le premier Lydia Tesio, gagnante aussi du Malray. Sœur Percy, donc, c'est un gagnant du derby d'Epsom, qui avait gagné un derby jugé très mauvais par l'Assemblée internationale, qui est parti comme étalon dans un espèce d'anonymat total, puisque tout le monde disait oh, c'est des chutes 2004 et puis c'est un mauvais derby, sans intérêt. Et puis à la force du sabot, à la force personnelle, il a fait des bons produits et maintenant c'est devenu un étalon commercial. Sœur Percy à 8 000 euros qui court en chaleur, à 8 000 euros, on va la juger, à 8 000 euros la fille de Sœur Percy de la famille de Lutte Enchantée, à 8 000 euros seulement, l'enchère par Guillaume, à 8 000 euros, à 8 000 euros, personne ne couvre l'enchère de 8 000 euros pour la fille de Sœur Percy, à 8 000 euros, on va adjuger, à 8 000 euros, rien au-dessus de 8 000, à 8 000 euros, vous la laissez partir, c'est bien vu, pas de regret nulle part, à 8 000 euros, on adjuge, 8 000 Guillaume. Le numéro 409, présenté par la Motré Consignment, Blonville, c'est une pouliche noire pangarée née le 13 avril par Le Havre et La Mouche. A noter que ce cheval alors, est vendu sans TVA à hauteur de 40%. Maintenant c'est Blonville. Blonville, Le Havre et La Mouche. La Mouche qui est un célèbre chanteur de rap. Alors Blonville, bah, c'est une ville que tout le monde connaît, Blonville, à côté de Deauville d'ailleurs. Le Havre, c'est Jean-Augustin Normand, le Havre tout le monde le connaît également, et donc c'est un poulain qui a été élevé, une pouliche pardon, qui a été élevée par Jean-Augustin Normand, puisque Jean-Augustin Normand donne à tous ses produits des noms de villes, de villages, de communes en tout cas. À 5 000, Guillaume Lanchère à 5 000, 5 6 6 000, 6 000, suivant 6, à 6 000, 6 000.
Havre, une mer du bas, oui, 6 000. Ça marche. Ah, 6 000 euros, 8 000. Luc, je suis ton père. Le Havre. 6 000 euros, Guillaume Blanchet, on en reparle. 12 000, 12 000, Jérôme, à 12, à 12 000. À 12 000, j'ai maintenant à 12, à 12 000. À 12 000, Le Havre, la mer du bas, oui, à 12, 12. 12, 15, 18, vous êtes à 18 000, à 18 000, en haut, à 18 000, à 18 000, l'enchère à 18, à 18, vous êtes à 18, 20, 22, Jérôme, à 22 000, à 22 000, Jérôme, l'enchère à 22, 22, à 22 000, Jérôme, l'enchère à 22 000, 22, à 22 000 euros, merci, à 22 000 euros, bien vu, 22, 25, 25 000, 25 000, vous êtes maintenant à 25, la Bleu Havre, à 25 000, 25, vous êtes à 25, 25, à 25 000 euros, à 25 000 euros, Marie, l'enchère à 25 000, bien vu, la fille de Le Havre, une mère du Baoui à 25 000. À 25, 26, il a dit 26, Guillaume, à 26 000. À 26 000, vous êtes Guillaume Blanchère à 26, bien vu, à 26 000. À 26 000, merci, 26 000 euros, 26, 27, 27 000, il a dit 27. À 27 000, j'ai... Eh oui, 27 000, Le Havre, c'est vraiment le mot magique, hein. Le Havre. Formidable. 30 000, j'ai 30 000 par mois, l'enchère à 30 000. À 30 000, j'ai l'enchère. Le Havre, c'est l'embellie. Auvray, La Huguette, Queen Bee. À 32 000 euros. Orbeck. À 32 000 euros. Bien certain, bien sûr. 4, 34, j'ai à 34 000. 34, suivant 34 000. 34, à 34 000 euros. 34, et c'est plus nous, Solène, j'ai 34 000. À 34 000, la fille de Le Havre, une mère du Baoui, à 34 000. 35, il a dit, 35, 6 si vous voulez, 36 000, 36 000 Solène, plus là, pas là, à 36 000 Solène, j'ai à 36 000, à 36 000, merci à 36 000, à 36 000, nous sommes à 36 000, bien vu Solène, 38, 38 000, 38 000, l'enchère à 38, à 30, à 38, 40, 40 000, 40 000, vous êtes Solène à 40 000, 40, à 40 000 euros, j'ai 40 000, à 40, Solène, à 40, merci, à 40, pas de regret, merci, dernière fois, à 40 000, Solène, l'enchère, à 40 000 au 2, 42 000, 42 000 à nouveau à 42, 42, 42 et plus nous, je vous vois plus Solène à 42, merci, à 42 000, pas de regret, à 42 000, on peut être jugé à 42 000, merci, à 42 000, 45, 45 000, 45 000 Solène, on est revenu à 45, 45 000, à 45 000, 45 Solène, à 45 Solène l'enchère, à 45 dernière fois par Solène, à 45 000, merci, à 45 000, bien vu. À 45 000, on la juge. Solène, 45, merci. Ah. Le numéro 410. 45 000, Le Havre. On reste dans des moyennes très très hautes toujours pour Le Havre. Tandis qu'on va passer désormais à une femelle de Canford Cliff présentée par Laura Desfaunes. Canford Cliff, ça se vend bien aussi. Canford Cliff, la mère choisir. Premier produit d'une gagnante de 3 courses. Gagnante à 2 ans, la mère. Combien débute-t-on, la Canford Cliff? 5 000 euros, 5 000. Qui m'appelle 5, 5 000. Canford Cliff, 5 000. 5 000 5 000 euros, 5 000, qui m'appelle 5, 5 000, 5 000, 5 000 euros, 5 000, qui m'appelle 5, 5 000, 5 000 euros, la Canford Cliff, 5 000, 5 000 euros, 5, 3 000, qui débute à 3, 3 000, la Canford Cliff, j'ai 3 000, à 3 000, j'ai, à 3 000, 3 000, 5, 5 000, 5 000, Guillaume à 5 000, à 5 000, Jérôme à 5, à 5 000, j'ai à 5 000, 8, j'ai, 10, 12, 12 000, vous êtes 15, 15 000 euros, 15 à 15 000, à 15 000, Solène l'enchère à 15 000, à 15 000, Solène l'enchère à 15 000, la Canford Cliff, 15 000, à 15 000 euros, à 15 000 euros, l'enchère à 15, qui m'appelle là, 15, qui... 15, 18, Jérôme, pardon, Guillaume, à 18 000. À 18 000, Guillaume, l'enchère, 18, 19, 20, ici, vous avez, à 20, j'ai par Camille, à 20 000. À 20 000 euros, Camille, l'enchère, 20, 20 000, j'ai. À 20 000 euros, à 20 000, nous sommes à 20 000. À 20 000 euros, à 20 000 euros, à 20 000 euros, la Canford Cliff à 20 000. Camille, à 20 000, nous sommes à 20 000, 2, 22 000. 22 000, l'enchère, T1, 21 000. 21 000, l'enchère à 21 000. À 21 000, vous êtes 21, 22, 20. J'ai 22 Grégoire, pas là. J'ai 22 Grégoire, pas Camille 4, 24 000. 24 000, nous sommes l'enchère à 24. 24, à 24 000. À 24 000, à 24 000, l'enchère à 24. Merci à 24 000. À 24 000, nous sommes 24, 24, 20. 6, 26 000, 26 000, vous êtes à 26, 26 000. À 26 000, Grégoire, l'enchère à 26, merci à 26. À 26 000 euros, à 26, pas d'oreille, 8, 28 000. 28 000 à nouveau, à 28, 28 000, la Canford Cliff à 28. À 28 000, ici,
30 000. Quand Force Cliff, la mer choisira 30 000. À 30 000 euros, à 30 000. Nous sommes à 30 000, plus là. À 30 000 euros, Grégoire Lanchère à 30 000, bien vu. À 30 000 euros, merci à 30 000, bien vu, pas de regret à 30. À 30 000 euros. À 30 000 euros, Grégoire Lanchère à 30 000 et on va juger 30. À 30 000 euros, merci. À 30 000 euros, bien vu par ailleurs à 30 000. Ici Lanchère à 30 000 euros, le marteau se lève. Quand Fort Cliff, donc, Tagella. 30 000 euros. On est reparti sur, en ce moment, on est sur une, des bonnes bases, hein, 30, 40, 50. Le numéro 411, présenté par le Haras Dénon, c'est un... Gervais. Le 18 avril par Wim. Le partenaire santé. Et il est là, Gervais. Il est juste à côté de nous. Une place dans le prix de Dax à Toulouse depuis l'apparition du catalogue. Bon, est-ce qu'on aura une table pour franchir ce soir, Gervais? Intérêt, ouais. La mer est déjà 20 ans. Ça va pas être la tempête ce soir. Dans le restaurant, oui. Merci Hervé. Le rendez-vous de Deauville, des courses à Deauville, c'est bien sûr chez Hervé, qui ouvre tard, très tard le soir de vente, pour accueillir 2, 3 services, parfois 4 services, surtout quand les ventes finissent à 10h comme lundi soir, le journée d'ouverture. 410 000 euros, donc qu'est-ce que je raconte? 410 pour 30 000 euros. Formidable. Ah oui, Hervé, il est où? Ah bah tout part en même temps. Formidable. Il faut me dire à 18, j'ai maintenant à 18 000. À 18 000, vous pouvez faire 20 maintenant. À 18, j'ai à 18 000. À 18 000, à 18. À 18 000, le Whipper, le frère gagnant à 18. 20. 20 000, c'est prêt à 20 000. Vu. À 20 000, Laura Lanchère à 20 000. À 20 000, nous sommes Lanchère à 20 000. Bien vu. À 20 000 euros, merci. À 20 000 euros, bien vu. À 21. 21, il a dit. À 21 000. À 21 000, Jérôme. À 21 000, Jérôme Lanchère à 21 000, bien vu, et on va juger à 21 000, pas de regret, 21. À 21 000, fini. À 21 000, merci. À 21 000, pas de regret, merci de votre aide, Laura. Alors une information tout à fait essentielle, que va nous livrer dans quelques secondes Loïc Stécher. Alors Arnaud, je viens d'appeler Éric Breteau pour qu'il ait un droit de réponse. C'est quoi cette histoire, Breteau? Ah, c'est Trévimix. Oui, c'est Trévimix. Donc il m'a bien affirmé que c'est lui le propriétaire officiel de l'étalon, puisqu'il a la preuve auprès d'Yara Nationaux, entre autres, que c'est bien lui l'unique propriétaire de Trévimix. Oh là là, mais alors le suspense est à son comble. Mais que va-t-il se passer pour les futures aventures du frère de Trèves? Donc, selon Éric Breteau, sa future ex-femme Déborah Breteau a donc annoncé le vol de Trévimix. Ah, elle a révélé en fait, elle s'est... Ah ouais, c'est implacable révélation en fait. Elle dit qu'elle a volé. D'après Éric Breteau, en fait, sa future ex-femme a avoué. Elle a avoué, exactement, ouais. Oh là 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 là, il s'en passe des choses en Normandie, car le Haras d'Orion, c'est dans le Calvados. À 10 000 euros, 10. Extraordinaire. Ici, là, 12 000, vous êtes 12 000. Quelle aventure. Et donc tu vas écrire ça dans quelques secondes, Loïc. Exactement, ce sera en ligne dans quelques secondes. Hein. Oh là 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 là. Ah là là. Bref, pour l'instant, nous en sommes à... Qu'est-ce que c'est que ça? 16 000, suivons 18 à 18 000, l'enchère. Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. Serial killer! Quelle histoire! Quelle aventure! 20 000 euros, Jean-Jacques, je vous écoute. 20 000, Camille, 20 000. À 20 000 euros. À 20 000 euros. Bon poulain, bien dans le type de la famille, à 20 000. À 20 000 euros. À 20 000 euros. Le type de la famille, c'est le 412, Lord Glitters, un Whipper et Lady Glitters. Oh là 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 là, Lady Glitters. Bah oui, ça c'est bien, Lady Glitters. C'est le frère de la sœur de Greg Glitters, Loopy Glitters. 20 000 euros, fini. À 20 000 euros. Petit chevalier, là, le. Ah oui, c'était bien aussi, ça, petit chevalier, gagneur du compte au Biron.
C'est un joli cheval. Alors un croisement par contre. J'ai maintenant à 21 000 nous sommes. À 21 000 pas de regret. À 21 000 fini. À 21 000 bien vu. À 21 000 le marteau se lève 2. 22 000. 22 000 vous êtes à 22. 22 000 est plus là. Je vous écoute Jérôme à 22. J'ai par Camille à 22 000. 22 000 le Whipper d'une belle famille à 22 000. Alors le croisement qui fait peur. Hein. Quand même Whipper sur homme de loi, c'est pas détendre en général. Crystal Dictors ne l'était pas non plus. 23 000. À 23 000. Parce que la mère est par homme de loi. L'homme de loi, c'est un low society, il avait tendance à faire un peu des chevaux un peu, on va dire, un peu psychopathe. À 23 000, merci de votre aide. À 23 000. Et Whipper, il a beaucoup de talent, hein, mais il a beaucoup d'impulsion, quoi. Mais c'est pas détendre. Celui-là, il est sympa, là, le gris, là. À 24 000 euros, dernière chance à 24 000, Jérôme Blanchère. À 25 derrière. À 25 derrière, maintenant nous sommes à 25. À 25 000, je vous écoute, Jérôme. 25, si vous voulez-vous. Alors celui-là, j'ai un coup de cœur pour celui-là. De la famille à 25 000, pardon, moi. Dernière chance à 25 000 euros. Bien vu, c'est sûr. À 25 000, c'est derrière. À 25 000, on a le juge. Le numéro on a le juge à qui ? Présenté par le j'aimerais bien le savoir. Germain, c'est un mal à l'Alzambruli né le 21 avril par Dr Dino et Lady Morgan. Le 413 par Dr Dino et Lady Morgan. Fils de Dr Dino. Le frère de Lessing. Lady Morgan par Medali. Alors Lady Morgan, alors ça c'était du dur, du robuste, du solide. Lady Morgan, elle a gagné je sais pas combien de courses. Enfin si, je le sais, c'est marqué 7 courses à 2 ans. Et 106 000 euros de gains sans les primes. Et avec les primes, ça touche. Et Lady Morgan, après sa formidable carrière de course, elle a été tout aussi formidable. Formidable. Puisqu'elle a donné en course, elle a donné au Harald Lessing, la fille d'Orpen, gagnante du prix Ronde de Nuit, Listed. Troisième du prix La Grotte préparatoire à la poule d'essai des Pouliches. Le prix La Grotte, c'est un groupe 3. À l'âge de 3 ans, sur l'hippodrome de Longchamp, devant une foule en délire, bien entendu. 12 à 12 000 euros, 12 000, 12 000, 12, 12, 13. Et c'est une fille de Dr Dino. 18. Et talons vus avec sa première génération de 2 ans. Cheval très dur, Dr Dino. Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. Eh ouais, Dr Dino, c'était un dur à cuire, un guerrier, un combattant, un furieux, un tenace, un poilé, un poilu, un tondu. À 20 000, à 20 000, nous sommes toujours à 20 000. 20 à 20 000 euros. À 20 000 euros, merci à 20 000. À 20 000, on peut être jugé 20 à 20 000. À 22, 22 000. 22 000 euros à 22. 22 plus là, 22. 22 à 22 000. Bon poulain ici à 22. 22 à 22 000 euros. À 22 000 euros. À 22 000 euros, 4. À 24 000, 24, nous sommes à 24, 24, à 24 000, 6, 26 000, 26 000 et plus là, 26, 26, à 26, 28, voulez-vous... La vie est bien faite tout de même parce que... 26, à 26 000, 26, à 26 000 euros, à 26 000 euros, à 26 000 euros, l'enchère à 26, qui m'appelle à 26, 26, à 26 000, à 26 000, à 26 000 euros, l'enchère à 26 000, merci de votre aide à 26, j'ai, on va juger à 26, pas de regret à 26, 28, 28 000, 28 000 et contre nous, 30, j'ai 30 000, à 30 000. À 30 000 maintenant, à 30 000, nous sommes 30 ici, Camille à 30 000, 2, 32 000, 32 000, Camille, plus nous à 32 000. Ouais, la vie est bien faite parce que tout à l'heure, nous avions une publicité pour Cher V. Alors, on n'a pas mis sur le Cher V votre partenaire santé qu'on mettra demain, mais tout à l'heure, il y avait, au moment où est passée sa publicité, Hervé, en personne, c'était pas un enregistrement, c'était en direct live qui nous a dit, Hervé, votre partenaire santé. J'ai 38 000 euros, effectivement, We Are The Champions. À 38, ici, à 38, pour Dr Dino et Lady Morgan. Joli tarif, très joli pouliche, très signé par son père, Dr Dino. Luc, je suis ton père. Eh ouais, et il n'y a pas de honte. Hein. Luc, vous aura bien sûr reconnu la guerre des étoiles. On a dû, 40 000, merci. Alors, 40 000 euros. Alors, on peut, c'était une blague, hein, bien sûr. Luc, je suis ton père. On peut dire ça si ça avait été un produit d'un étalon, genre qui commence par un N et qui finit par OUS. Dans le mauvais sens du terme, mais là, dans le bon sens du terme, on peut l'utiliser aussi. Il fait la montre à Dr Dino Ouara Duménil chez Henri et Antonia Devin qui sont présents autour du ring. Et je vais regarder tout de suite qui a fait l'acquisition du Dr Dino à 40 000 euros. Vous êtes 3 à 3 000, à 3 000 qui m'appelle 3. Il a une casquette. 4,
Peut-être bien une mobilette aussi, mais comme il a la tête baissée, j'arrive pas à reconnaître qui c'est. Il est jeune, flamboyant. C'était qui ? Ah, c'était Laura, 3000, merci. À 3000, Laura Lanchère à 3000, à 3000, la McPhy à 3, à 3000. Ah, c'est Alexandre puis Fourca qui donc. Ah oui, voilà, c'est ça, quand il enlève la tête, ça va mieux. Alexandre puis Fourca qui travaille au haras de. À 4, à 4000 euros, 4 à 4000, à 4. Du vieux pont. À 4000, fini. Ou de sa perte du monde. Il m'appelle au-delà de 4, à 4000, fini. À 4000 euros. Mon Dieu, je ne suis pas épaulé. 6000 euros l'enchère à 6, à 6000, à 6, 8, 8000, 8000, nous sommes maintenant à 8. Ah bah c'était presque ça, c'était à ras du monde, Dimon. Mon Dieu, je ne suis pas épaulé. Ah oui, bah. 8000 euros, fini, bien vu. Voilà, il y a bien la peine d'avoir des jeunes là. Tu les payes des fortunes, ils ne savent même pas ça. 8000 euros, fini à 8. 8000 euros. Donc pour le 414. 8000, j'ai 10, 12, 12000, 12000, maintenant Guillaume à 12. Ah oula, oula, une fille de McPhy. McPhy, c'est bien. McPhy qui revient. Non. Si, si, c'est une préférence. Moi, j'aimerais bien mettre une jument à ma fille et je pourrais l'année prochaine. Car ma fille vient et talons au haras de, non pas du Lyon, mais le haras de Bonneval chez la Gacan. La mère est par Naïef et la mère c'est Lake Palace, gagnante du prix Urban Sea au Lyon d'Angers. Ah ah, le Lyon d'Angers, c'est bien le Lyon d'Angers. C'est beau le Lyon d'Angers. Le Lyon d'Angers, the place to be. Le Lyon d'Angers, où vont se dérouler les prochaines ventes de Yearling début novembre, le 5 et 6 novembre. La vente de Yearling sera le 5 novembre, organisée par Osarus, bien sûr. Ce sera donc sur le site du Lyon d'Angers que vous allez découvrir, vu du ciel, très bientôt sur France Inter et sur le site d'Osarus, la semaine prochaine déjà, avec un magnifique clip vidéo qui a été préparé par Lisa Lopé, avec des images inédites. À 22 000, du Lyon d'Angers vu du ciel par un drone. 23, 4, 000, oh. À 23 000, la McPhy. Oui, je sais, je suis formidable, merci. 23, ah non, c'était pour elle qu'il fallait dire. 24 000, j'ai à 24, 24 000, maintenant nous sommes à 24. Bah, vous savez que les femmes, il faut les flatter, car 24, 5, 25, maman contente, 25 000, maman pas chiante. Madame, je vous le jure, que les hommes m'écoutent. À 25 000, ça, Lise, personne ne va le croire. 26, surtout pas moi, j'ai des preuves. Alors, le. À 26 000, merci de votre aide. À 26 000, par Guillaume Lanchère, et on va être jugé. À 26 000 euros. On la juge, Guillaume Philippe. 26 000 euros pour la McPhy. Et Lake Palace. Présenté par Coulos Consignment, c'est un mal né le 16 mars par Airchief Marshall et la masque. Airchief Marshall. Deuxième produit d'une jeune jument. Alors, Airchief Marshall qui fait la monte aux côtés de Le Havre, au haras de la Covinière. 5 000, Airchief Marshall, 5 000, Pouliche Poulain Profond ici là, 5 000, qui m'appelle 5 000 euros, 5 à 5 000, à 5 000, j'ai bien sûr Bernard à 5, à 5 000, qui m'appelle au-delà de 5 à 5 000, à 5 000 euros, 5, 6, 6 000, 6 000, vous êtes à 6 000, qui m'appelle au-delà de 6, 8, 8 000, 8 000, vous êtes à 8, à 8 000 euros, l'enchère à 8, 10, 10 000, 10 000 euros. À 10 à 10 000, la mère demi-sœur de la mère de Roderick O'Connor, 12 000 euros, à 12 000 euros, 12 000, vous êtes à 12, à 12 000, 12, à 12 000 euros, l'enchère à 12 000, suivant 12, à 12 000 euros, l'enchère à 12 000, à 12 000 euros, qui m'appelle au-delà de 12, à 12, à 12 000 euros, l'enchère au-delà de 12, à 12 000 euros, nous sommes à 12, à 12 000 euros, merci, à 12 000 euros, bien vu, à 12 000 euros, dernière fois, à 12 000 euros, pas de regret, à 12 000 euros, fini, à 12 000 euros, merci, à 12 000 euros, à 12 000 euros, bien vu. 12, 14, 14 000, 14, 14, j'ai à 14 000. 14 à 14 000 euros. À 14 000 euros, deuxième produit d'une jeune jument dont la mère est demi-sœur de Roderick O'Connor. À 12 000 euros, à 14 000 euros, l'enchère à 14. À 14 000 euros, merci. À 14 000 euros, fini. Merci de votre aide. À 14 000 euros, on la juge. Laura, 14, merci. Le numéro 416, présenté par Coulons Consignment, c'est un mâle béné le 23 mars par Turtle Ball et Lamora. C'est la famille de Lidari, deuxième de groupe 1 en Australie. Turtle Ball, une mère Sindar qui est un bon père de mère. La mère demi-sœur de Laxlova, d'où Lidari et Larry. Temps pour débuter. Pour ce
Bon poulain de turtle beau, fait solide, combien faut-on pour débuter? 5 000 euros, 5 à 5 000. 5 000, 5 000 euros, 5 000 à 5 000, à 5 000, à 5 000, à 5 000, à 5 000. À 5 000 euros, 5 à 5 000, à 5 000, c'est pris à... Le 415 a été vendu pour 14 000 euros. Maintenant, à 10 000, 12, 12 000, 12 000, l'enchère à 12 000, 12. À 12 000, Grégoire, l'enchère, j'ai 12, 14, 14 000, 14. À 14 000 euros, 16, 18, j'ai par Guillaume. Il fait la montre donc aux côtés de... Ah voilà les acheteurs du lot précédent. Aux côtés de Le Havre et Raj Saman Ouara de la Covinière. Le 416, c'est Turtle Ball. Et Lamora, la famille de Laxlova, Lidari, Laristan. Lamora, une fille de Sindar, qui nous propose ici son premier produit. C'est présenté par un couple qu'on aime bien, le couple d'Étienne et de Anna Drion, de Coulon's Consignment, des gens sympas. J'ai maintenant Guillaume à 23, suivons 3, à 23 000, à 23 000 euros, à 23 000 euros, à 23 000 euros qui m'appelle au-delà de 23, à 23 000, on va juger à 23 000, Guillaume, à 23 000, Guillaume, merci, à 23 000, plus nous voulons voir, 4 elle a dit, 5 voulez-vous, j'ai 24, 5, 25, il revient à 25, Guillaume Lanchère à 25 000, je vous écoute Laura, j'ai 25 par Guillaume à 25 000, à 25 000, pardon j'ai, à 25 000, merci, 25 bien vu à 25 25 000 euros pour la Turtle Ball, et les Turtle Ball, les Turtle Ball ne sont pas très bien vendus depuis le début de la vente, mais là ça va mieux, bon, c'est un poulain très imposant, hein. Il est massif, il a des superbes points de force. Lamora par Sindar donc, talon au rat de Bonneval à côté de Siouni et bientôt à côté de McPhy et de Charm Spirit en 2016 puisque ça a déjà été annoncé. Les plans sont faits. Et dès son jeté. 29 000 euros à 29, 29, à 29 000 plus là, à 29 000 merci, à 29 000 dernière fois. Eh oui, car l'argent va à l'argent, on ne prête qu'aux riches. C'est ta pas de monnaie, ta bad friend. C'est ta pas de monnaie, ta bad friend. Friend, 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 c'est ta. Eh oui. Laura l'enchère. C'est ainsi. 30 000 euros. Va juger. Mais si t'as pas de monnaie, t'as pas de friends. Mais les chevaux, c'est ça qui est quand même extraordinaire. C'est qu'on peut être ruiné un jour et rire le lendemain. Le numéro 400. C'est pas souvent, hein. Mais c'est plus souvent l'inverse. Triche un jour et ruiné le lendemain. Mais. Mais avec les chevaux, on peut se refaire, c'est ça qui est beau. Et tout le monde y croit ici, c'est ça qui est beau. Certains y parviennent. Le rêve éternel du cheval de course qui s'accomplit parfois. La preuve, j'ai gagné hier à Toulouse avec un anglo-arabe, j'étais très content. Oui, je suis formidable, en effet. Alors, non, vous savez que je ne suis pas faux modeste. Nous allons parler désormais du 417, un fils de King's Best et Lana Girl. Lana Girl, elle-même issue de Volga. À 5 000 euros, à 5 000 euros, bien vu, à 5 000, 5, 6, 6 000, 6 000 euros, 6 à 6 000, vous êtes 6 à 6 000. Volga qui fut une excellente pouliche pour le compte de la famille Wittgenstein chez Elie Lelouch. Alors c'est marrant d'ailleurs parce que Volga, lorsqu'elle et Wittgenstein sont revenus chez Lelouch en 2001, elle a été la première partant et la première gagnante du trio qui s'était reformé Lelouch, Wittgenstein, Buff. 12 000 euros, l'enchère à 12, à 12 000. 12. C'était donc en 2001. 12 à 12 000, à 12 000. Comme le chantait Pierre Perret. Vous êtes à 12, à 12 000. En l'an 2001. Merci à 12 000. Ta-da. On n'a pas toutes les. En fait, c'est un clavier, mais c'est pas un piano non plus, quoi. Donc, il n'y a pas 25 000 touches, quoi. Donc, on n'a pas mis toutes les chansons. Et en tout cas, c'est la famille de Vallée Enchantée, Victory Cry, Veteuil, Vespone également. Fini à 14 000 euros. Merci. À 14 000 euros. Pas de regret. À 14 000 euros. On la juge, Marie 14. Le numéro 418, présenté par le Haras de Grand Camp, c'est une pouliche bénée le 16 avril par Vision d'État et Laurel Dean Desert. Premier produit d'une placée à 2 ans, fille de Green Desert, de la famille de Top Trip, chevaux durs. Marco Distinction dans la famille, combien faut-on pour débuter Vision d'État? 5 000 à Vision d'État, 5, 5 000 euros, 5 000, 5 000, 5 000 euros, 5 à 5 000, 5 000, 5 000 euros, 5, 5 000, 5 000 qui m'appelle 5, 3 000, 3 000 euros. Alors le 418, c'est un fils de Vision d'État. 3 000 euros, 3 000. Ah, Vision d'État, c'était pareil, lui, un féroce combattant. Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer.
3 000 euros, 3 000 l'enchère, 3 000 à 3 000 euros, 4 000. Qui fait la monte au rat de Grand Camp, le rat de Grand Camp qui nous présente ce lot 418, Vision d'État et Laurel Dean Désert. Vous êtes à 5 à 5. La sœur de Sal Solon qui lui aussi, ah bah lui en une fois, alors lui aussi c'était un féroce. Vision d'État 10, 12. Combattant. Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer, au killer. 14 000, maintenant nous sommes 16, à 16 000 euros l'enchère. Et c'est aussi la famille de Top Trip, Top Trip qui rentre étalon au Hara. 18 000 l'enchère, 20 000. De là est très. 20 000 euros, vous êtes 20 000. À 1500 euros la CI en 2015. Très bien. À côté donc de Great Pretender. Puisque Great Pretender arrive aussi au Hara de la Hétraie. À 6 000 euros la CI pour Great Pretender. À 3 500. À 3 500, excusez-moi. Et Cap Garde sera à 6 000 euros. Merci. Pendant ce temps-là, le Vision d'État, il est arrivé à 24 000 euros. À 24 000 par nous, l'enchère à 24 000, Camille. À 24 000, on peut être jugé, Camille. À 24 000 euros, merci. 24 000. 26 000 j'ai maintenant, à 26 maintenant votre enchère à 26 000, à 26 000 dernière fois, 8 à 28, à 28 000, plus là, à 28, à 28, à 28, merci, à 28 000, à 28 000, pas de regret, à 28 000, on avance, à 28 000, dernière fois, à 28 000, ici Camille, à 28 000, on a dû, 28, merci, 28 000. Ouais, joli pédigree parce qu'en plus la mer était par Green Desert. C'est très difficile de trouver des Green Desert encore aujourd'hui en tant que père de mer. Premier produit. Le 419, l'élevage de la campagne gravée avec une fille de Palace Episode. Femelle de Palace Episode. Deuxième produit. Famille de Lagunas, Lord of England, combien faut-on pour débuter cette famille, belle famille, Palace Episode qui fait des gagnants à 2 ans, combien débute-t-on? 5 000 euros, 5 à 5 000, 5 000 euros, 5 000, 5 000 qui m'appelle, 5 000, 5 000 euros, 5 à 5 000, ,000 euros, 5 000, ,000, 5 000, ,000, 3 000, ,000, 3 000, ,000, 3 000, ,000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3
21 000, 22 000 vu l'aura, 22 000 vous êtes et nous vendons à 22 000 euros. Eh oui, nous vendons à 22 000 euros. 22 000 euros, bien. Enfin, nous vendons si le marteau tombe. À 22 et on va juger à 22. Si Eric Oyo donne l'ordre. Il a dit à 3 000. 3, 4, 4 000, 4 000 l'enchère, 24 000, 24 000, nous sommes à 24, 24 à 24 000, merci, 24 000, bien vu les canaux à 24, pas de regret, à 24 000 euros, on a Dieu, 24 000 à rat de préau, merci. Ah, le rat de préau, Jean-Louis Lucas qui a acheté à 24 000 euros le 420. Présenté par l'élevage au sport, Duke Sport, c'est un Malbin le 10 mars par Shakespearean et l'ensorceleuse. A noter que Charm Spirit compte 2 victoires supplémentaires. Alors ça, c'est un cas très particulier, mesdames, messieurs. Chers amis, regardez bien le 421. Depuis l'apparition du catalogue. L'élevage sport. La mère par Oasis Dream et la sœur de Charm Spirit qui vient de s'imposer. Alors Loïc va nous indiquer quel est le nom de l'éleveur de... Débuté pour le Shakespearean. Alors c'est le harat de l'étoile qui a élevé ce fils de Shakespearean. Et le harat de l'étoile est situé dans la Manche. Très bien. Parce que l'élevage sport, totalement inconnu hein, dans le milieu des courses, pour l'instant en tout cas, mais ça risque de changer parce que... Eh ben ils ont une jument qui s'appelle l'ensorceleuse. Par Oasis Dream et l'enjôleuse. Ça veut dire quoi? À 5 000 euros la mère. Eh bien, ça veut dire que la mère de ce poulain est la sœur aînée de Charm Spirit. Vous êtes à 6 à 6 000, à 6 000 euros, à 6 à 6 000. Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. Okay. 3 victoires de groupe 1, Charm Spirit, entraînement Freddy Head. Donc nous avons ici une fille de, un fils pardon, de Shakespearean. À 10, 12, 12 000, 12 000, l'enchère à 12, à 12 000, à 12 000 euros. Par Chamardal. À 12 000, à 12 000, à 12 000, à 12 à 12 000, bien vu. Qui est le neveu de Charm Spirit. Acheté 20, avait acheté 140 000 euros ici. Ici, il y a 2 ans. Pas de regret, nulle part à 12, qui m'appelle 12, 14, 14 000, 14 000 euros. À 14, 14, Guillaume, votre enchère à 14, 14, à 14 000 euros. À 14 000 euros, nous, à 14 000 euros, c'est Guillaume, l'enchère à 14, et nous vendons à 14, pas de regret, nulle part. À 14 000, bien vu, fini, à 14 000 euros. On a juge, 14 000 Guillaume, merci. Bon, ben 14 000 euros, il était magnifiquement né ce cheval, on en attendait sûrement beaucoup, beaucoup plus. Physiquement, il était pas venu encore, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Mais voilà, 14 000 euros pour un neveu de Charm Spirit. Mère de mission de Joe Holdaway. Alors, maintenant on va passer au harat de Nonalpin. Le harat de Nonalpin, ah, l'éleveur de Saunois, le Nonalpin. Une valeur sur Moutatir, paire de bons vainqueurs. En plat, en obstacle et on débute à... Alors l'enchère est en face de nous, Arnaud. Allons-y, 10 000, 5 000. Pile poil en face de nous, deuxième rang partant de d'en haut. 3 000 euros, 4 000, 4 000, 3 000, c'est la même. Si tu reconnais l'acheteur. 3 000 euros l'enchère à 4 000, Bernard. Non. Ah, 4 000 euros, Bernard. On ne connaît pas plus renseigner, mais merci en tout cas. Bernard qui tient les enchères à 4 000. L'acheteur, en tout cas, est un monsieur. Ah, 4 000 euros, Bernard, l'enchère à droite à 4 000, à 5 000. 5 000 euros l'enchère. Alors, le rano dans le pain. 6 000, 6 000 euros maintenant, 6 000, 6 000 à droite. Avec un fils. Une fille de Mutatir et Libre Lady, par Librettiste. Librettiste, il a fait la monte un peu en France. Au départ, on disait, oh, c'est super Librettiste, il a gagné le Jacques Lemarois. Puis bon, après, il s'est révélé fort décevant. Il a fait Librano et puis rien. Il est parti en Angleterre, et puis même là, pour faire d'obstacles, et puis même là-bas, personne n'en veut. Mais ce n'est que le grand-père. Luc. Il y a encore. Ah merde. Luc, je suis ton père. Voilà. Et pas le père. 17 000 euros maintenant, 17 000. 17 000. À 20 000 euros, Bernard Lanchette à 20 000. À 20 000 euros, la fille de Moutatir à 20 000. À 20 000 euros. À 20 000 euros, Lanchette à 20 000. À 20 000 euros, Lanchette est là. À 20 000 euros. Le nom dans le pain défend le poulain de Mutatir. La pouliche de Mutatir qui est très jolie. La mère, elle est quand même sœur de Joe Holdaway, placée de Listed. Soménil, placée de Listed. C'est la famille de Surfrider. Gagnant du Djebel. J'ai bien vu terminer la dernière fois, dernière chance. À 20 000 euros, Bernard. Prends notre juge. 20 000 euros, Bernard, votre enchère. Numéro 423, présenté par Richard Stott. C'est un mâle béni le 5 février par American Post et Life of Risks. A noter que ce cheval est vendu sans TVA, 6 or 6 sold without VAT. A noter donc la place de Where the Fox at de Flying Dahl depuis l'apparition du catalogue et les gagnants donc. Et on débute à combien pour ce fils d'American Post?
Un vrai 2 ans ici. Allons-y, voulez-vous 5 000, 5 000, 3 000 euros, voulez-vous 3 000 euros, mettez dans le chat, 3 000, il faut démarrer, voulez-vous 3 000 Donc un fils d'American Post présenté par Jed Bergstad. À 3 000 euros l'enchère, prêt à droite, à 3 000 euros l'enchère, mettez dans le chat, 3 000 euros, voulez-vous 3 000 Laura, une seule enchère, 4 000, Guillaume, enchère, 4 000 À 4 000 euros l'enchère, à 4 000 euros, 5 000 Laura, maintenant 5 000 La mère, Life of Risk, était une géante course sérieuse, elle a beaucoup couru. 3 victoires à 3 ans en plat. 3 victoires à 4 ans en Ostac. Camille, à 8 000 euros l'enchère, à Camille, 8 000 euros l'enchère. Présente ici son deuxième produit. Le premier, c'est un Montmartre. Il s'appelle Menhir des Aigles, qui a 2 ans. À 9 000 euros, c'est Guillaume Lanchet, à 9 000 À 9 000 euros, contre Laura et contre 10 000 À 10 000 euros, à droite, l'enchère, mettez 11 000 À 11 000 euros, mon enchère, à 11 000 À 11 000 euros, ici encore 11 000 euros l'enchère, à gauche, à 11 000 11 000 euros l'enchère. Donc, Where the Fox Hat, qui est l'oncle également par Montmartre, vient de prendre une nouvelle place. À 13 000 euros mon enchère, à 13 000 euros c'est American Post, c'est un cheval sérieux, un étalon. A perdu un peu sa cote commerciale aujourd'hui, mais qui est un cheval toujours aussi très très efficace. Un père de gagnant de groupe 1 quand même. American Post lui-même gagnant de groupe 1. À 15 000. À 15 000 euros, bien vu l'enchère, on va l'adjuger à 15 000. À 15 000 euros, bien vu, fini, Camille l'enchère. American Post. C'est le père de ma préférence. Mais elle est ma préférence à moi. Eh oui. Par Zanzibari et Linde. A noter que ce cheval est vendu sans TVA. L'étoile bleue. C'est le nom Lingolina, du 424, Lingolana, pardon, Lingolana, présenté par Rosé Gristod, des appartenant à M. Royald Colpert. Oui, monsieur, et son prénom c'est Royald. Et un deuxième produit d'une mère propre. Alors, une pouliche très racing-like, hein, très enlevée, très sèche comme ça, enfin, elle est très précoce dans son physique, par Zanzibari et Lindai, par Dejin. Dejin, c'est un gros cheval par peintre célèbre, très froid, monté par Pellier. Ah, là, je crois que c'est plus difficile à vendre. Une fille de Zanzibari, pourtant, Zanzibari a fait un bon début avec ses premiers 2 ans. Oui, 3 000 euros, c'est pris l'enchère à 3 000. À 3 000 euros, l'enchère est là-haut à 3 000. À 3 000 euros, à 3 000 euros, j'ai une seule enchère à 3 000. À 3 000 euros, à 3 000 euros, l'enchère est à droite à 3 000. À 3 000 euros, à 3 000 euros, qui prend l'enlève l'enchère de 3 000. À 3 000 euros, à 3 000 euros, l'enchère est à 3 000 euros seulement, nous sommes à 3 000. À 3 000 euros, l'enchère à 3 000 euros, une seule enchère à 3 000. À 3 000 euros. 3 000 euros, une seule enchère, bien vu, nous allons l'adjuger à 3 000. À 3 000 euros, pas de regret. À 3 000 euros, pas d'erreur. À 3 000 euros, on adjuge. Jean-Pierre Gauvin, merci, 3 000 euros. Votre enchère, Camille. Le numéro 425, présenté par Laura Dumais. Jean-Pierre Gauvin. Thomas Green est le 6 avril par Whipper. Bon, il s'est dit, je vais en mettre une, elle est à 3 000 boules. Femme fatale compte une victoire supplémentaire. Prêt à courir. De la Pinade à Fontainebleau et une voilà. Jean-Pierre Gauvin, c'est un sacré bon entraîneur. La Maison Lafitte. Entraîneur de Sunwood. L'apparition du catalogue. La femme fatale. Eh oui, la femme fatale Coralie, fils de Whipper ici, nous vendons le fils de Whipper. Ah Whipper, voulez-vous 3 000, minimum, voulez-vous 3 000 La femme fatale. Pour le fils de Whipper, voulez-vous 3 000 euros le fils de Whipper à 3 000 À 3 000 euros. C'est la 3 ans qui a gagné, qui est la sœur aînée de ce poulain de Whipper présenté par Laura Dumézeray, la mère Céline Amox. 3 000 euros Whipper, à 3 000 euros. Famille de Lindor. Whipper, 3 000 Oui, 4 000 euros l'enchère à 4 000 À 4 000 euros l'enchère à 4 000 À 4 000 euros l'enchère à 4 000 À 4 000 euros l'enchère à 4 000 euros, ils sont encore à 4 000 À 4 000 euros, come on ! À 4 000 euros. Ah, c'est que 3 000 alors, on revient en arrière. 3 000 euros. Merde, on revient. Merci Audrey. Ah bah, on revient en arrière, dis donc. C'est ça ? 3 000 Alors, 3 000 euros pour Whipper. 3 000 euros Whipper là-bas, oui, 3 000 À 3 000 euros l'enchère, à 3 000 C'est pas drôle. Il a des coffres ce poulain. À 3 000 euros. À 3 000 euros. Bah, c'est les enchères descendantes. La paire a produit 4 vainqueurs. À 3 000 Attends, c'est vrai, la paire a produit 4 vainqueurs. Un black tip. Lana Jolie. Voilà, 4 000 À 4 000 l'enchère, à 4 000 À 4 000 euros l'enchère, à 4 000 À 4 000 Et une Whipper. Lana Jolie, la propre sœur de ce poulain là, de Whipper, il est placé de Listed. Même les enfants, faut se réveiller là un peu là. Nous vendons à 5 000 À 5 000 euros l'enchère est à droite à 5 000 À 5 000 euros, ici encore à 5 000 euros, bien vu, l'enchère est à droite à 5 000 6 000 nouvelle enchère sur. Oh là, c'est parti. À 6 000 euros, c'est pas fini. À 6 000 euros, ici encore à 6 000 À 6 000 euros à droite, l'enchère à 6 000 euros, bien vu. À 7 000
7000 euros maintenant, 8000, 8000 euros l'enchère à 8000, 8000 euros l'enchère à 8000, 8000 euros à droite l'enchère toujours à 8000 et 8000 l'enchère à droite à 8000, 9000 euros au fond du passage. À 9000 euros au fond du passage maintenant, à 9000 euros, allons-y, 9000 euros, Grégoire, c'est plus voix 9000, mettez 10000, arrondissez 10000. À 9000 euros, voulez-vous 10000? À 9000 euros, mettez 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, maintenant Audrey à 10000. À 10000 euros, c'est Audrey l'enchère. À 10000 euros, c'est Audrey qui tient l'enchère à 10000. À 10000 euros, à 12000, 12000 l'enchère à 12000. 12000 euros par vos colois, 12000. À 12000 euros, à 12000 euros l'enchère à 12000. À 12000 euros, à 12000 euros, oui, peur. À 12000 euros, une valeur sûre à 12000. À 12000, à 12000 euros l'enchère à 12000. À 12000, à 12000 euros, Audrey par vous et contre vous. 13 000, oui Camille, bravo Camille, à 13 000, à 13 000 euros Camille l'enchère, à 13 000 euros, plus rien au fond, à 13 000 euros, je vais devoir l'adjuger à Camille, à 13 000 euros, dernière fois, dernière chance, fini, pas de regret, on adjuge, 13 000 Camille, votre enchère, merci. Le numéro 426, présenté par le Haras de Beauvoir, le Fortovo, c'est... Ok, 13 000 euros, ça c'était son prix quand même pour le Linamox. Enfin non, c'est pas cher, hyper cher quand même. Le cheval est vendu sans TVA, 10 or 6 or without VAT. Grande souche ici, Pont-Aven, Sainte-Marine, Cape Coast, Traumet donc, King David, c'est la famille de Shakespearean également ici, le pédigré de Shakespearean. Eh oui. Les Arcanos. C'est Loïc qui a appuyé sur le bouton. C'est pas grave. 3000 euros. Il se trouve formidable aussi. Donc c'est 3000. 3000 euros, y a-t-il preneur à 3000. 3000. 3000 euros l'enchère. Voulez-vous 3000 Bernard l'enchère? Oui, Bernard, votre enchère à 3000. À 4000. À 4000, une grande souche ici à 4000. À 4000 euros l'enchère. À 4000 euros l'enchère. Arcano à 4000. Arcano, fils d'Oasis Dream. Arcano, gagnant du morning. Arcano, père de Mysterious Boy. Arcano, père de Le Fort. Tovo. À 4000 euros, à 4000 euros, c'est Laura l'enchère. À 4000, à 4000 euros, Laura. C'est la famille de Pont-Aven, Sainte-Marine, Jocelyn Garoud, Ripla, Indendez, Bignou, Shakespearean. 4000 euros, bien vu. À 4000 euros, ici encore à 4000. Mais par contre, le poulain. 4000 euros, à 4000 euros, bien vu, l'enchère est à Laura. Il a pas un physique, il a vraiment pas un physique, il a pas le physique de l'emploi et c'est pour ça que il reste collé à 4000 euros parce qu'il est vraiment bien né. Mais bon, voilà. Puis alors, si prenait un âge de courir, un seul vainqueur. Laura, téléphone sonne. Laura, l'enchère, c'est bien la casquette. C'est la casquette. Oui, yes, sir, it's your bid. À 4000 euros, 4000 on the back, à 4000 euros. On adjuge. Laura, merci, thank you, votre enchère. Ouais. Le Gamel. Numéro 427 est présenté par le rat de Saint-Arnoux, Louveraine, c'est une pouliche bénée le 15 mai. Chalet, bon voilà, il n'est pas en ligne du tout, donc ça va. Ce cheval est vendu sans TVA à hauteur de 10%, 10% of this horse is sold without VAT. Poulain qui se déplace, pouliche par Louvraine, fille de King Best et Louve solitaire par Aor Emblem, présenté par le rat de Saint-Arnois. Beaucoup plus énergique déjà comme pouliche. Louve solitaire, c'est une pouliche. Louve solitaire, la mère est une jument issue d'une très fameuse origine. Wendenstein, celle des L en l'occurrence, Louvétrie, Louve sauvage. La grand-mère, c'est Louvétrie. Autant dire que la mère de cette pouliche, quand même, c'est la sœur de Louve sauvage, gagnant le prix d'Ispahan. De loup solitaire, les talons qu'on connaît bien, c'est la famille de loup breton. 4000 euros à droite l'enchère à 4000, à 4000, voilà, à 5000, 5000 euros l'enchère, à 5000 euros l'enchère à Guillaume à 5000, à 5000 euros Guillaume l'enchère à 5000, à 5000 euros, à 5000 euros l'enchère à Maitre l'enchère à 7000, à 7000 euros maintenant l'enchère à 7000, à 7000 euros, à 7000 euros à droite l'enchère à 7000, à 7000 euros l'enchère à droite à 7000, à 7000 euros, à 7000 euros l'enchère à 8000, 8000 euros à 8000, 8000 euros j'ai 10000, 8000, à 8000 euros l'enchère à 8000, 8000 euros l'enchère à 8000 euros l'enchère à gauche à 10000, 8000 l'enchère à 8000, 8000, 8000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000 euros l'enchère à 10000, 10000 euros l'enchère à 10000, 10000 euros, à 10000 euros l'enchère est là à droite à 10000, à 10000 euros, 12000. 12000 euros maintenant votre enchère à 12000, à 12000 euros l'enchère est là à gauche à 12000, à 12000 euros, à 12000 euros votre enchère à 12000, à 12000 euros pour l'ouvrain à 12000, à 12000 euros, à 12000 euros 14000, 14000 euros Guillaume, 14000, 14000 euros Guillaume votre enchère à 14000, à 14000 euros 16000, à 16000 euros l'enchère, à 16000 euros l'enchère est là à 16000, 16000 euros maintenant Grégoire votre enchère à 16000, à 16000 euros, à 16000 euros c'est Grégoire l'enchère, à 16000 euros et pas vous Guillaume à 16000, à 16000, à 18000, 18000 euros maintenant 18000 euros Guillaume, à 18000 euros 18000 euros, 18000 euros l'enchère Guillaume à 18000, à 18000, à 18000 euros l'enchère à 18000. 20000. 20000 euros maintenant l'enchère à 20000. À 20000 euros c'est à droite Grégoire à 20000. À 20000 euros. À 20000 euros c'est Grégoire l'enchère. À 20000 euros. À 20000 euros Grégoire.
Laura, c'est contre vous. Ah, 20 000 euros, l'enchère est à droite à 20 000. Pas là, hein. Ah, 20 000 euros, l'enchère est là à droite à 20 000. À 20 000, 22 000. 22 000, l'enchère à 22 000. 22 000 euros, l'enchère là. Ah, 22 000 euros, l'enchère à 22 000. À 22 000. Ah, 22 000 à 22 000. À 22 000, l'enchère est à 22 000. À 22 000. 24 000. 24 000 euros, l'enchère à Guillaume à 24 000. À 24 000. Ah, 24 000 euros, l'enchère à Guillaume à 24 000. À 24 000. Ah, 26 000, 26 000, 26 000. À 26 000 euros, l'enchère à 26 000. À 26 000. Ah, 26 000 euros, toujours Laura, l'enchère à 26 000. Ah, 26 000, 28 000. 28 000 euros maintenant. 28 000 euros. Ah, 28 000 euros, l'enchère à 28 000. Mettez 30 000, madame. 30 000. 30 000 euros maintenant. 30 000 euros désormais pour ce 427. Arnaud, on a parlé tout à l'heure de son pédigré. Elle est déjà nommée. Elle s'appelle Louvre. Présentée par Larissa Kneipp du Haras du Saint-Arnaud. Il y aura deux Saint-Arnaud qui accueillera l'an prochain un nouvel étalon, ces hommes à Robin. Il y a trois étalons en 2014, dont Kochner et Bull, qui va être augmenté pour son prix de saillie. Qui a encore sorti un gagnant de deux ans hier, Kochner et Bull. 35 000 euros l'enchère là, 35 000, 35 000, 36, 36, 36, là. 36 000 là l'enchère, 36 000 euros. 36 000 euros l'enchère est là à 36 000. À 36 000 euros, bien vu l'enchère à 36 000. À 36 000 euros, à 36 000 euros, fini monsieur. Merci votre aide, bienvenue, fini. Voilà, juge. 36 000, votre enchère, Laura, merci. Merci madame, 36 000. Le numéro 428, présenté par le Hara des Loges, c'est une pouliche née le 11 février par Equiano et Lucky Legs. A noter que cette pouliche est qualifiée pour le bonus plus 10. She is completely eligible for. More 10 yearling bonus. Bonne pouliche. Plus 10 registered. Plus 10 registered. Qui se bien un premier produit pour cette fille d'Equiano. Du tout bon reproducteur. Présenté par le Hara des Loges. L'excellent Equiano se fait remarquer par sa première production. Bon père de vainqueur, bon père de deux ans. Les premiers. Alors c'est produits, Jeremy Brummett qui. Bon papé d'Igré, Chachamé, qui a acheté pour l'interrogation. En tout cas, il a été rejoint par Larissa Kneipp. 10 000 euros l'enchère, voulez-vous 10 000 10 000, 10 000, 10 000, voulez-vous 10 000 10 000, on y reviendra à 10 000. Non, c'est pas Jeremy Brummett, mais Jeremy Brummett, c'est avec l'acheteur de l'eau 427. 5 000 euros, ah, 5 000 euros, mettez l'enchère à 5 000. 5 000 euros, c'est pris l'enchère à 5 000. 5 000 euros l'enchère, ah, 5 000 euros l'enchère à 5 000. 5 000 euros l'enchère à 5 000. 5 000 euros. L'équipe de Monsieur Drost qui est là. Monsieur Drost qui est lui-même présent. 7 000. Avec son conseiller Pierre Croxel qui s'approche du ring. 10 000 enchères à 10 000. 10 000, ah, 10 000 euros l'enchère à 10 000. 12 000 enchères à 12 000. 12 000 enchères à 12 000. 12 000. Que vont-ils faire ? Vont acheter ? 12 000 enchères à 12 000, 12 000, 14 000 mon enchère à 14 000, 16 000 l'enchère à 16 000, 16 000 à droite l'enchère à 16 000, à 16 000 euros. Et Dross qui achète beaucoup de yearling entre fourchette, on va dire, de entre 10 000 et 30 000 euros. À 20 000, 20 000 euros l'enchère à droite. Qui achète tous les ans sur le marché des yearlings de Baden-Baden également. À 20 000 euros chez The Good Walker. À 20 000 euros l'enchère à droite à 20 000. À 20 000 euros l'enchère à 20 000. À 22 000, 22 000, 22 000, 22 000 l'enchère. À 22 000 euros l'enchère. À 22 000 euros, vous êtes deux maintenant, 22 000. 24 euros. Et Kiano, qui est encore un tout jeune étalon, ses premiers produits n'ont que deux ans. Ce fils d'Acclamation, mère par Ella Manamo, il avait été élevé par Aléziori. 24 000 euros, mettez Sting. Il a été vendu. 24 000 euros l'enchère. À 24 000 euros, one more, vous avez 20 morts. C'est Kiano. À 24 000 euros l'enchère, 24 000 euros. Ici même d'ailleurs, oui. À Deauville. 25, 25 000 euros on the back. À 25 000 euros l'enchère. À 25 000 euros chez The Good Philly. À 25 000 euros l'enchère. Il avait réussi l'exploit de gagner à deux reprises des Kingston Stakes. À 25 000 euros, nous vendons la fille de Equiano. À 25 000 euros par un des deux groupins réservés aux sprinters durant le meeting d'Ascot. Ici, il y a les Kingston Stakes et les Golden Jubilee. 26. C'était. C'était. Otto. 27. C'est vous, monsieur. 27 is your bill. À 27 000 l'enchère, à 27 000. À 27 000 euros l'enchère chez Gold. À 27 000. 28 000. 28 000 euros l'enchère, à 28 000. 28 000 euros. 30 000 là. À 28 000 euros l'enchère. À 28 000 euros, c'est contre vous à 28 000. C'est une superbe origine, hein, sous la troisième mère, celle de Virginia Waters. 29 000. Qui avait gagné les mille guinées. La mère d'un Laura Distel également, Emperor Claudius. À 29 000 euros, bien sûr. À 29 000 euros, tout au fato. À 29 000, 30 000. Et on retrouve plus récemment Kertas, une gagnante de Listed. Chez Camdam.
qui est un du prix de la Seine. Chacha Maïdi également, qui a gagné quelques années les Matra Stakes. G Wonder, qui est âgé de 3 ans. Et Alive Alive-O, qui est âgé de 3 ou 4 ans. De 3 ans, il me semble. De 4 ans, pardon. 32 000 euros, toujours à 32 000. Live Alive-O, elle avait. 32 000 euros, bien sûr, enchère à 32 000. Laura, elle avait gagné sa Sabine Sex. Audrey, à 32 000 euros, c'était en 2013. Des enchères, je vous laisse faire, Audrey. À 32 000 euros par vous, contre vous, Audrey. À 32 000 euros, bien vu, fini. À 32 000 euros, 33. 33 000, toujours à 33 000, allons-y, à 33 000, à 33 000 euros, à 33 000 euros, vous êtes deux à 33 000, à 33 000 euros, à 33 000 euros, qui est du second, à 33 000 euros, Audrey, fini, à 33 000 euros. On a juge, Bozzi Bloodstock, grazie mille, 33 000 euros. Marco Bozzi. Audrey. Le numéro 429, présenté par le rat du Petit Ailier, c'est un Malbé né le 21 mars par Soldier of Fortune, et ma préférence. Fortune. Galileo, meilleur American Post, second produit de ma préférence. Second produit de ma préférence, gagnante. Mais du elle ma préférence, à moi. Il faut. Bon tissu. On débute à combien ici pour ce poulain? Fils de Soldier, allons-y. Second produit, une jument Black Tap, 10 000, 10 000, 5 000, 5 000 euros. Mais 5 000 euros. Ah, j'étais un peu trop rapide. Il faut. À 7000 euros l'enchère. Il faut que ce cheval soit vendu. Tout simplement à 8000 euros pour l'instant. On n'est même pas au tarif de. Ah si, on est arrivé au tarif de Pritzei de 200 pairs soldiers en fortune. Ma préférence a été toute bonne à cette fille d'American Post. Puisqu'elle avait gagné groupe 3, le prix fille de l'air. À 17000 euros l'enchère. À 17000 euros 20000. À 20000 euros 22000 euros 22000 euros. À 27 000 euros. On est à 25 000 euros désormais. À 30 000 euros, restaurant à 30 000, à 30 000, à 32 000, 34 000, à 34 000 euros. Alors, des fois, je m'emporte, ça permet de rester éveillé. À 36 000 euros, Guillaume l'enchère à 36 000, à 36 000. À 36 000 euros, c'est Guillaume qui tient l'enchère à 36 000 euros l'enchère. À 37, 38 000 euros maintenant, Guillaume. À 38 000 euros, c'est bien essayé, Laura. À 38 000 euros, c'est toujours Guillaume l'enchère à 38 000 euros l'enchère. Alors, Guillaume, donc c'est en face. Guillaume l'enchère à 38 000 euros. En face, il y a Pierre Coxel avec Monsieur Drost. Il y a Didier Guimin qui est là. Bien vu, à 38 000, à 38 mais je ne pense. Bien vu. Non, c'est un monsieur très grand avec des lunettes. À 38 000 euros, bien vu, pas de regret, pas d'erreur. Ce qui ne nous aide pas beaucoup. 38 000 euros, à 38 000 euros, finito Jean-Jacques. À 38 000 euros, bien vu, fini. À 38 000 euros, la l'enchère à Guillaume. Bien vu, on a le juge. 38 000, Guillaume. Le numéro il y a le jockey Fred Spagnu également qui présenté par le Hara du lieu des champs, qui est présent aux ventes. Tempo Dancer, pardon, c'est un Malbé né le 30 avril par Orpen et Macho Tempo. Macho Orpen, Tempo, Orpen, fille de Macho Uno, le père de Vorda, bien qui sûr. Est né aux États-Unis en 2007, elle n'a pas couru. Tempo Royal, gagnante à deux et la mère est une fille, pardon, qu'est-ce que je dis la mère a déjà produit Tempo Royal. De Macho Uno. Et on débute à combien une fille de Boris de Deauville. Boris de Deauville qui courait sous la casaque de Magdalen Bryant avant d'être vendu aux haras nationaux. Il avait débuté sa carrière de d'étalon aux haras de Cercy. Malheureusement, le cheval s'était retourné lors de ses premières saillies. Il s'était retourné quand il était sur la jument, donc en pleine action. Et il s'était brisé le garrot. Il a ensuite été envoyé dans un des pays du Maghreb, je ne m'en rappelle plus quel, aux frais de la princesse, aux frais de l'État. 3000 à 3000 euros, bien vu. À 3000 euros, une enchère. Et quand l'an dernier il a été mis en vente au haras de Brévières, Magdalen Bryant s'en est porté à quai Rose. Et ben voilà, 4000 à nouveau. 4000 euros l'enchère. Et a plutôt bien marché cette année puisqu'il a saillé plus de 20 juments. Boris de Deauville, qui est le père de Harry également, qui a gagné il y a quelques jours à Strasbourg en obstacle, donc pour l'entraînement de François Nicole. Et hier encore, Boris Deville a sorti un nouveau gagnant. À 5 000 euros, c'est le téléphone d'enchère. À 5 000 euros, c'est bien vu, Audrey, c'est votre enchère. Donc c'est un fils d'Orpen, pardon. Petit-fils de Danzig, par Lure. Père de Vorda. À 5 000 euros, we are sending to you. À 5 000 euros, pas de regret, pas d'erreur. Qui est présenté par le rat du lieu des champs. On a le juge. 4000 euros, votre enchère, Audrey. Italien.
Le numéro 431, présenté par Irene Schell, c'est une pouliche alsane née le 1er mai par King's Best et Madame Arcati. Without VAT. King's Best, mère par Sindar, excellent père de mère par Yosindar. Good Walker, this filly, out of a winner dam at 2 years old. La mère de Lady Elliot, Charming Prince, John Chan. Bon, allons-y, débute à 3000, minimum, à 3 000 euros, pas plus. Par vous et contre vous, à 8000 euros, à 8000 euros, c'est votre 9000, Dominique, c'est contre vous, à 9000 euros, essayez 10 000, à 9000 euros, mettez 10 000, voulez-vous 10 000, à 9000 euros, l'enchère, voulez-vous 10 000, 9000 euros, voulez-vous 10 000, mettez 10 000, voulez-vous 10 000, à 9000 euros, bien vu, fini, Dominique, c'est Guillaume qui tient l'enchère. 10 000 au téléphone à 10 000. À 10 000 euros au téléphone, il était temps à 10 000. À 10 000 euros, à 10 000 euros, attention à 10 000. À 10 000 euros, à 10 000 euros à droite, l'enchère à 10 000. Yes, sir, à 10 000 euros. À 10 000 euros, Guillaume, voulez-vous 11 000? 10 000 euros, je vais la juger à droite. À 10 000 euros, bien vu. À 10 000 euros, fini. À 10 000 euros. Je m'en doutais. 11 000 euros. 11 000 euros maintenant, à 11 000 euros, à 11 000 euros, c'est contre vos téléphones et c'est vendu cette fois-ci. À 11 000 euros, nous vendons. À 11 000 euros, Dominique finit. À 11 000 euros, bien vu, fini Dominique, il a raccroché. À 11 000 euros, on est juge. Monsieur Lotou, merci monsieur, 11 000 euros, votre enchère, Guillaume. Numéro 432, présenté par le Haras du Logis Saint-Germain, c'est une pouliche alsane née le 20 mars par Turtle Ball et Magdala. Turtle Ball. Turtle Ball ici, donc, et la mère Oak Queen, un troisième produit d'une mère gagnante. Petite fille de Miss Chris ici, Miss Chris, donc c'est la famille de Wooten Rivers. Et on débute à combien ici pour la fille de Turtle Ball? Allons-y. 5000, 3000, 3000, voulez-vous 3000, 3000 euros, vous êtes à 3000, 3000, 3000, enchère minimum, 3000, 3000 et 3000, mettez 3000, 3000, vous 3000, 3000, 3000 euros, l'enchère minimum à 3000 euros, à 3000 euros, l'enchère à 3000, oui, 3000 euros, l'enchère est prêt à 3000 euros, l'enchère à 3000, une enchère à 3000, 3000, à 3000 euros, j'ai une enchère à 3000, à 3000 euros, Laura, l'enchère à 3000, une enchère à 3000, à 3000 euros, c'est Laura, l'enchère à 3000, à 3000 euros, l'enchère, l'enchère à Laura, 3000, à 3000 euros, à 3000 euros l'enchère, une seule enchère à 3000. À 3000 euros qui prend le relais, qui commence à 3000. À 3000 euros, bien vu. À 3000 euros, pas de regret. À 3000 euros, une seule enchère. À 3000 euros, bien vu. À 3000 euros, mettez vos enchères. À 3000 euros, c'est sûr. À 3000 euros, Audrey l'enchère, une seule enchère. Pas de regret ailleurs. À 3000 euros, on a le juge. 3000, Audrey. Le numéro 433, présenté par le Haras du Longchamp, c'est un mal béné le 18 mars par Authorized et Magic Date. Authorized, Authorized, donc père de bon vainqueur. La mère Sagamix a produit trois vainqueurs également. Demi-frère de My Melody, de Spoonful, de Daylight. Quatre produits en âge de courir, trois vainqueurs déjà pour la mère. Donc on débute à combien? Grande Souche, Lagardère ici, Agacan. Et donc... Fils de Authorize. Fils de Authorize ici, allons-y. 5 000, 3 000 euros, mettez-vous dans le chien à 3 000, dépreneur à 3 000, 3 000, venez 3 000, 3 000. À 3 000 euros, faites démarrer à 3 000, venez-vous 3 000, 3 000 euros. À 3 000 euros pour démarrer, restez ici à 3 000, 3 000 euros, lancez à 3 000, 3 000, 3 000 euros. 3 000 euros pour démarrer très bas, venez-vous 3 000, 3 000 euros. Oui, 3000. 3000 euros, c'est pris l'enchère est à 3000. Une enchère à 3000. À 3000 euros, j'ai une enchère à 3000. À 3000 euros.
3 000 euros, l'enchère est à 3 000. À 3 000 euros, l'enchère, j'ai une seule enchère à 3 000. 3 000 euros. À 3 000 euros. À 3 000 euros, une seule enchère à 3 000 euros. Bien vu, l'enchère est à 3 000. À 3 000 euros. À 3 000 euros, mettez vos enchères à 3 000 euros. Bien vu, pas de regret, pas de recession à 3 000. À 3 000 euros. 3 000 euros seulement, une seule enchère. 4 000, c'est la même. 4 000, 5 000, 5 000, 5 000 euros maintenant, 5 000, 5 000, 5 000 euros. À 5 000 euros, Cinque Mila. À 5 000 euros, l'enchère est à droite. À 5 000 euros, l'enchère est à droite, essayez encore à 5 000. À 5 000 euros, l'enchère est à droite, essayez encore, pas de regret, pas d'erreur. À 5 000 euros, c'est sûr. À 5 000 euros, on va la juger à 5 000. À 5 000 euros, c'est sûr, il n'y a pas de regret ailleurs. À 5 000 euros. À 5 000 euros, bien vu. À 5 000 euros, l'enchère est à droite, par vous. Camille, à 5 000 euros. Point de juge, Camille, 5 000 euros. Le numéro 434, présenté par le Hara de Saint-Voir, oh. Dorémy Fassol, c'est une pouliche bébrin, née le 5 février par Wooten Bassett et maîtresse. Wooten Bassett, la mère est gagnante, maîtresse, très bonne jument de course, maîtresse, qui a produit un vainqueur, son quatrième produit, c'est donc que nous vendons. C'est la famille de Bonjeu, de Montrocher. Bonne pouliche ici, avec du cadre. Scope. Et on débute à combien? Allons-y. 10 000, 10 000, 10 000, 5 000, 5 000, 5 000 euros, vous devez 5 000. 5 000 euros. À 5 000 euros, une pouliche sérieuse ici à 5 000. 5 000 euros, c'est déjà pris l'enchère à 5 000. À 5 000 euros, bien sûr. À 5 000 euros. À 5 000 euros, sa mère était une bonne jument de course. 5 000 euros. À 5 000 euros, ici, on entre à 5 000. J'ai une enchère à 5 000. À 5 000 euros, allons-y. 5 000 euros. À 5 000 euros, j'ai une seule enchère pour l'instant à 5 000. À 5 000 euros seulement. À 5 000 euros, une seule enchère à un moment à 5 000. À 5 000 euros, 7 000. 7 000 euros, Guillaume. À 7 000 euros, Guillaume, l'enchère à 7 000. À 7 000 euros, allons-y. À 7 000, 8 000. 8 000, l'enchère à 8 000. 8 000. À 8 000 euros, l'enchère à Solène à 8 000. À 8 000 euros. À 8 000 euros, Solène, l'enchère à 8 000. À 8 000 euros. À 8 000 euros, Solène est à l'enchère à 8 000. À 8 000 euros, Solène. À 8 000 euros. À 8 000 euros, l'enchère. À 8 000 euros, l'enchère est à Solène 10 000. À 10 000, 9 000. 9 000 euros, l'enchère. À 9 000 euros maintenant, Aurélie, elle doit 9 000. À 10 000. À 10 000 euros maintenant, Solène à 10 000. À 10 000 euros, l'enchère. À 10 000 euros, Solène.